Enregistré, enregistrement en cours, on met la souris là, ça disparaît. Ok. C'est bon? Bonjour et bienvenue dans... Non, quoi? L'action. Non, je faisais action. Oui, d'accord. Mais du coup, moi, j'ai fait un. Bonjour et bienvenue dans Buffy Slash 20. épisode 33. Une saison. Plein de questions Plein de réponses. en 2 minutes. deux minutes. Merci à tous de nous retrouver pour une nouvelle vidéo de Buffy Slays 20. Déjà, merci aussi de regarder toutes nos autres vidéos. On en parlait la dernière fois, la première vidéo a dépassé 4000 vues et on est trop, trop heureux parce que c'est tellement, pas peureux, hein, trop heureux. C'est tellement un plaisir de parler de Buffy, mais c'est surtout un plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ont envie de parler avec nous, que ça intéresse. Merci d'avoir vu notre dernière vidéo en distanciation sociale Paris-Berlin. On va continuer à produire des choses sous ces formes-là. Maintenant, ça fait 4 ans quand même qu'on fait cette petite expérience et on est hyper heureux de la faire et de la faire avec vous. C'est une émission un peu spéciale parce que David a passé beaucoup de temps à regarder Buffy dernièrement, mais pas n'importe quelle partie de Buffy. Bah là, je viens de terminer mon intégrale de Buffy et bah évidemment, la fin de Buffy, c'est la saison 7. Voilà, spoiler alerte. Et j'ai redécouvert la saison de mon expérience, peut-être plus de maturité, une meilleure lecture de ce que Yael m'avait pu eh bien m'en dire au travers de nos conversations, de ce vlog de Buffy Slash 20, également au travers de son mémoire. Donc, ça m'a permis d'appréhender la saison un petit peu différemment. Et je me suis dit que ce serait bien qu'on en parle aujourd'hui ensemble. Et vu que du coup c'est un peu un reboot de nos conversations sur la saison 7, tu as eu l'idée d'un nouveau format qui pourrait rendre la conversation un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Est-ce que tu peux nous expliquer? Pour ce format spécial, donc on va ne parler que de la saison 7. Donc, si des gens par hasard sont en train de se faire l'intégrale et n'ont pas vu la saison 7, que vous attendez encore à la fin de la saison 6, bah écoutez, à la prochaine, au revoir. On vous retrouvera avec plaisir. Mais sinon, eh bien, c'est une conversation libre sans questions où chacun notre tour, on aura 2 minutes pour parler voilà, de la saison. Je parle pendant 2 minutes, Rebondir pas sur ce que pendant la 2 minutes. personne vient de dire avant, j'imagine. Et voilà, ça Ou parler sera d'autre chose. un long fleuve buffyesque pour vous occuper. Donc, en revoyant Buffy, mais alors ça, c'est pas inédit, j'ai toujours eu un problème avec Lesson. C'est quoi le titre? Avec? Ah, Lesson. le premier épisode de la saison 7. Ok, Je sais d'accord. même plus en français, non? Le son, non? Je sais pas. Lessons. Et voilà, cet épisode-là, je trouve qu'il y a des très bonnes blagues, il y a plein de qualités. Buffy et ses cheveux, il y a plein de belles choses, la scène finale avec tous les méchants. Mais il y a une chose que j'ai jamais vraiment compris, et je pense que ça fait écho au reste de la saison, mais ça me paraît quand même très mystérieux. Je ne comprends pas la réaction de Buffy, très froide, un peu cynique, à ces trois fantômes dans le lycée à qui elle dit, bah vous êtes morts, arrêtez de m'embêter, que je peux rien faire pour vous. Voilà, cette absence de culpabilité, enfin, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette réaction qui me paraît très surprenant. Je comprends qu'ils aient voulu la faire un petit peu, qu'ils leur donner un petit peu de verve et un peu de répondant, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, Yael, voilà, qu'est-ce que toi This tu. is gonna be fun! Ah, j'adore qu'on parle de la saison 7. Pardon, vas-y, Voilà, c'est go. parti. He's a vampire, okay? Skilled with powers no human could possibly ever. Excuse me. I think I'm stuck. Alors moi, je trouve que déjà, tu es dans l'interprétation quand tu dis froide et quand tu dis cynique. Pour moi, c'est pas ça. Bon, la scène, c'est un épisode qui, à l'époque, m'avait laissé aussi dubitative. Moi, c'est la seule. Enfin, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais la saison 7, je l'ai regardée au rythme de la diffusion américaine. En lisant tous les blogs américains, j'étais vraiment plugged into dans le Buffyverse, qui m'était jamais, enfin, ce qui est la seule fois où ça m'est arrivé. C'était assez, je suis très heureuse d'avoir eu ce privilège-là. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais un peu sur ma faim, en mode, ok, on a vu Spike, mais sinon, il se passait quoi? J'ai complètement changé de regard le jour où j'ai commencé à écrire sur la saison 7, mon mémoire, et que j'ai essayé d'analyser la saison. Et j'ai commencé par le premier épisode, et au bout de 5 minutes d'épisode, j'avais 8 pages de notes, et j'ai fait, ah oui, mais en fait, je vais pas pouvoir, ça va pas être possible. Alors, pour moi, elle a réglé son rapport à sa culpabilité, mais surtout à ce que j'appelle son autodétestation dans la saison 6. Du coup, elle est un peu comme Spike. Enfin, pas Spike à ce moment-là spécifique, mais Spike en général après. La grande différence entre Spike et Angel, c'est qu'Angel, s'auto-flagelle tout le temps avec sa culpabilité, alors que Spike, il dit, ben, en fait, voilà ce que j'étais, maintenant, je suis... Enfin, voilà, ce que je suis devenue, c'est autre chose, et je peux pas tout le temps payer, voilà.
le prix du passé. Et je pense que Buffy a conscience qu'elle fait ce qu'elle peut et qu'elle a fait ce qu'elle peut et qu'elle assume d'être quelqu'un de faillible. Et que du coup, pour moi, c'est juste, il y a l'idée de genre, là, en fait, vous êtes en train d'essayer de me manipuler. En fait, les vampires, les fantômes sont des pervers narcissiques qui essayent de la faire se sentir mal sur elle-même juste pour la manipuler. Et en réalité, elle est là, mais non, tout ce que vous me dites là, c'est du toxique, c'est pas vrai. Et du coup, je prends même pas. Ça, c'est juste du négatif feedback qui est juste là pour me faire me sentir mal. Et c'est pas vrai. Donc pour moi, je le vois pas du tout comme ça. Je trouve que justement, c'est un truc de maturité incroyable. Bah, pour moi, justement, c'est ça. C'est que je comprends l'intention. J'ai analysé les choses comme toi, tu viens de le faire, effectivement. Que cette envie, effectivement, de ce qu'elle a plus besoin de ça, que effectivement cette réponse à la saison 6 de j'ai vécu ça, justement j'ai trouvé ça, c'était pendant longtemps le problème avec la saison 7 que j'ai un petit peu réglé avec ce visionnage, mais pas totalement, à vouloir montrer Buffy infaillible, plus dirigiste, plus sûre d'elle, on oublie parfois de la montrer un peu vulnérable, et ce qui fait qu'on la perd par moment, ce qui fait que là c'est ça, c'est que ce rapport assez ces trois fantômes qui la culpabilisent, et elle qui dit non, mais écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai pas pu vous sauver, donc maintenant passez à autre chose. J'en comprends l'intention et je comprends cette réaction de rejet. J'en regrette peut-être juste la formulation, l'exécution, ou justement ce que tu viens de te dire, je trouve ça très juste, mais je pense que ça peut être juste dans la façon dont Buffy, finalement, elle se retrouve quand même face à des gens qui sont des fantômes et qui sont plus ou moins vivants, ou plus ou moins qui ont un ressenti. Et la façon effectivement de le rejeter de façon extrêmement violente, avec une forme d'humour, de bonne blague, de la verve de Buffy qu'on connaît, me dérange un petit peu, d'autant plus que justement ça crée une coupure peut-être trop nette avec la saison 6. Je comprends l'intention qui était de l'époque, après tous les critiques de la saison 6 de l'époque, mais je trouve que passer directement de Buffy est hypersensible dans la culpabilité, dans le mal-être, dans la dépression, a vraiment quelque chose de beaucoup plus volontaire, voire j'ai trouvé moi en tant que ressenti un peu agressif vis-à-vis de ce qu'elle exprime émotionnellement, me dérange un peu, et je trouve que c'est justement quelque chose d'intéressant qui va parcourir ensuite la saison, où je trouve qu'il y a un problème d'équilibre entre ce qu'ils veulent montrer de sa force et sa vulnérabilité. C'est rigolo parce que du coup, moi, je peux pas penser à tout ce que tu dis sans penser à Brené Brown qui écrit sur la honte et la vulnérabilité, en fait, parce que du coup, ben, automatiquement, j'ai changé aussi, du coup, de concept sur plein de choses. Première chose, on en a parlé dans la vidéo précédente, en termes de l'opinion que les gens pouvaient avoir sur Sarah Michelle Gellar. Je reviens à la même truc, une nana qui sourit pas, c'est une nana qui est méchante. Enfin, j'exagère un peu, mais on est vraiment, vraiment socialisés. Même toi qui aimes les personnes, les femmes fortes et tout ça, il ne faut pas que tu oublies que tu es aussi socialisée par ça et que c'est plus difficile. Et en réalité, quelque part, toute Buffy saison 7, c'est une nana qui ne sourit pas. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle sourirait? Enfin, tu vois, il y a vraiment pour moi ce truc de... Moi, ça ressemble à ce que... En fait, ça me fait... Je m'identifie tellement avec son comportement, je le comprends tellement, je le trouve tellement naturel que moi, tu vois, je le trouve ni agressif, ni froid, ni quoi que ce soit. Je le trouve juste très pragmatique. Et pour moi, elle est dans le pragmatisme. Enfin, tu vois, l'idée de la vulnérabilité, c'est que la vulnérabilité, donc selon Brené Brown, qui écrit sur la honte et la vulnérabilité, et plein d'autres choses, c'est ce qui est sous l'armure. Et qu'en réalité, pour l'instant, Buffy, elle est encore dans l'armure. Elle est obligée d'être dans l'armure parce qu'elle n'a pas eu d'espace pour avoir sa vulnérabilité, parce que personne n'est là pour réparer le bordel. Techniquement, d'ailleurs, c'est pour ça que la seule personne avec qui elle est vulnérable, c'est Spike. Et qu'en réalité, elle est différente avec lui d'avec tous les autres, même si elle aussi, elle essaie d'avoir l'armure au début avec lui jusqu'à ce qu'elle finisse par faire tomber l'armure dans l'épisode 9. Mais en réalité, elle peut être qu'avec Spike, parce que aussi, quand elle a été dépressive dans la saison précédente, la seule personne qui était là pour elle, c'était Spike, à sa façon, mais c'était la personne avec qui elle a pu communiquer. Les autres ne voulaient pas entendre son trauma et sa dépression. Et donc, du coup, la vulnérabilité, c'est le truc justement qu'elle va réussir finalement à l'avoir en général à la fin de la saison 7. Une fois de plus grâce à Spike, parce qu'elle va se sentir acceptée en tant que personne, mais en réalité, jusque-là, elle n'a aucun moyen de l'être, et donc, effectivement, elle n'est pas dans la vulnérabilité, elle est dans l'armure, elle est dans les bonnes intentions, mais rationnelle, elle n'est pas dans l'émotion, parce qu'elle ne peut pas être dans l'émotion, parce que c'est... Non, mais ça, je me suis posé la question, de toute façon, et vu que la saison... J'ai toujours vu dans Buffy un féminisme normalisé, banalisé, comme l'homosexualité de Willow, par exemple, où c'est jamais un sujet... Et je ne m'étais jamais rendu compte avant
cette vision, ce visionnage-là du fait que ma propre sensibilité, de mes propres études, de mes conversations avec toi, de ce que j'ai vu de MeToo et de tout un tas d'autres questionnements plus larges sur le féminisme, bah, que Buffy quand même traitait beaucoup de ça, son rapport au conseil des Watchers, au conseil des observateurs, était quand même beaucoup de ça, la façon dont elle prend son indépendance à la fin de la saison 3, son rapport à Giles puis à Wesley, le rapport à la figure du père et son rapport aux hommes en général, et en fait que la série, en fait, par métaphore, mais des métaphores beaucoup plus évidentes et beaucoup moins cachées que je le pensais, en réalité beaucoup plus directe avec ça, et qu'effectivement la figure de Buffy, qui est la même figure qui m'avait posé problème dans la dernière saison de Scandale, où elle prend le pouvoir, Olivia Pope prend le pouvoir, et elle devient beaucoup plus dure, beaucoup plus froide, et donc on manque de cette vulnérabilité. J'ai réussi un petit peu à faire la paix avec ça, en disant effectivement, malgré tout, effectivement, c'est aussi parce que c'est un personnage féminin, effectivement, si j'imaginais Dean ou Sam de Supernatural être un peu sarcastique comme ça dedans, je le recevrais beaucoup plus facilement qu'avec un personnage féminin. Mais on est quand même sur une dernière saison de 22 épisodes avec un personnage qui est le personnage principal sur lequel on est. Et je me suis rendu compte que quelque chose qui était très, très, très ponctuel, mais qui était très nécessaire et que j'aurais peut-être voulu revoir, mais la saison est trop dense, on y reviendra après, parce qu'on en a déjà parlé, la dernière saison 7 est très, très dense, c'est les scènes où Buffy rêve de Joyce. Peu importe si c'est le premier, The First, La Force, ou vraiment Joyce, j'ai plus ou moins, on en débat plus tard, mais voilà, bref, on en parlera plus tard, mais je pense vraiment que ça, c'est des vrais moments avec sa mère où elle est vraiment vulnérable, où elle se montre vraiment, où il y a un échange, où d'un seul coup, je me dis, là, c'est intéressant, et peut-être que ça, ça va peut-être revenir une ou deux fois plus tard dans la saison, ce rêve où elle voit sa mère, où on retrouve quelque chose qui montre qu'intérieurement, en tout cas, même si elle ne peut pas le montrer aux autres, intérieurement avec elle-même, il se passe des choses du terme de l'émotion. Mais sauf qu'intérieurement, il ne se passe pas des choses du terme de l'émotion. Enfin, tu vois, le truc, c'est ça, c'est que quand tu es bloqué, quoi. Et puis, tu sais, une partie de toute ma théorie, alors je ne sais pas si tu le sais, parce que j'ai quand même 200 pages dans mon mémoire, donc il y a des trucs que je ne sais pas si j'en ai parlé, je pense que j'en ai parlé au truc des forums des images, mais l'idée que Buffy est bloquée dans la saison 7 parce qu'elle reproduit un schéma traditionnel d'autorité, qui est le schéma pyramidal militaire, hiérarchique militaire, qui est aussi un schéma masculin. Et que, en gros, l'idée, c'est qu'à la fin de la saison 6 et au début de la saison 7, elle est en mode bah, en fait, j'ai un rôle, enfin, j'ai beaucoup de pouvoir et beaucoup de responsabilités et je veux répondre à ma responsabilité. Je suis assez en paix avec moi-même pour être à nouveau une bonne slayer et un bon mentor. Et que du coup, c'est rationnel. Et du coup, pour faire le rationnel, elle fait taire l'émotionnel. Et c'est pour ça qu'elle est tellement, quelque part, désabusée dans l'épisode 2, au début de l'épisode 1, c'est qu'elle est là, putain, mais en fait, je me suis fait violence, j'ai fait tout ce que je devais faire, et à la fin, on m'explique que ce que je fais, c'est pas bien. Elle dit, il y a un moment, et donc pour moi, l'émotionnel, je regardais un truc, quelqu'un qui parlait de dépression, qui disait, il y a deux types de dépression, il y a la dépression telle qu'on la montre, qui existe effectivement, il y a plein d'autres types, mais où quelqu'un est triste, il ne peut pas sortir de son lit, elle ne va rien faire, mais il y a une autre type de dépression très commun, qui est high functioning, et où c'est tu es nomme en fait. En fait, tu n'as plus d'émotions. Tu ne ressens plus tes émotions. Tu es juste fonctionnel. Et tu peux tenir longtemps comme ça. Et pour moi, pour le coup, jusqu'à l'épisode 19, elle rentre là-dedans. Aussi parce qu'elle n'a pas complètement géré le fond des problèmes de la saison 6. Elle s'en est juste assez sortie la tête de l'eau pour se donner une raison d'être qui n'était pas elle-même, qui était sa mission, et l'accepter. Et tu vois, la fin de la saison 6, c'est quoi? C'est, en fait, Dawn, j'ai envie de montrer le monde. Donc, elle a trouvé un sens à sa vie qui est de transmettre à l'autre. Mais ce n'est pas un sens qu'elle se donne à elle-même. Moi, pour ça, je trouve que... Non, mais ça, pour le coup, l'idée du patriarcat, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément perçu la première fois. J'étais beaucoup de compréhension au niveau de ce qui se racontait sur la guerre. Mais par contre, effectivement, cette idée de je me calque, c'est ça que là, je l'ai vu, j'ai vraiment perçu, je me calque sur le modèle patriarcal de la façon dont les hommes font la guerre depuis des décennies, des millénaires même. C'est ce modèle-là que je prends qui est le mauvais modèle. Ça, je l'ai vu. Ça, c'est très intéressant. Ça, j'ai trouvé que c'était pour le coup bien raconté, que d'autant plus de son rapport avec Giles, c'est la façon dont elle est en rupture ensuite avec Giles, la façon dont elle dit voilà comment je me positionne, et je me positionne dans la tradition. Et je mets d'autant plus que finalement, on voit finalement l'ordre des Jedi, pas du tout. On voit les observateurs, les Watchers. Finalement avoir un discours assez similaire dans la scène où ils explosent, finalement ils font un petit peu écho à ce que Buffy vient de faire, c'est parce que pour ça qu'ils explosent, c'est pour montrer que ça ne fonctionne pas dès le début, c'est de la gounette, genre ah bah regardez ils sont prêts à se mettre en guerre, ah bah pouf ils explosent, et finalement ils annoncent que ce que Buffy est en train de mettre en place n'est peut-être pas la bonne solution, mais ça vraiment je l'ai compris, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça le message final de la série, c'est que finalement elle met en place son propre message
sa propre méthode avec sa sensibilité, d'où l'incroyable message féministe de la fin, c'est elle suit le modèle à un modèle et elle est obligée de le déconstruire à la fin pour finalement arriver à la conclusion et à la victoire. Mais encore une fois, après, je pense que déjà que la saison est beaucoup trop dense. Je pense que c'est pour ça que je t'avais dit que tu l'adores. Je pense que pour ton cerveau incroyable, il y a beaucoup de choses, il y a plein de choses, il y a beaucoup de là, plein de choses. Et je pense que tu vois, même en termes de réalisation, il manque des petites choses. Il manque, tu vois, le quand elle entend. Parce que là, je pense que tu viens de dire, tu as fait allusion à une conversation qu'on a eue en dehors de la caméra. Et je pense qu'on en parlera après. Mais quand elle enterre Chloé, après qu'elle se soit suicidée à cause du premier, à cause de la force, il y a un plan où on la voit enterrer Chloé, on la voit pleurer avant qu'elle fasse son discours qui va énerver les gens. Et le problème, c'est que c'est un plan, elle pleure, mais le plan est mal filmé. C'est un peu pris trop loin. Il n'y a pas vraiment de gros plan. On la voit pleurer, mais on la voit pas. C'est pas très bien fait, donc j'ai vu des débats sur internet, des gens qui disaient mais est-ce qu'elle pleure pas, mais je crois qu'elle est hyper froide, je comprends pas, donc je disais mais non, elle pleure, au contraire, elle est sensible à ça. Et je pense qu'il y a des petits soucis, c'est un symptomatique de deux trois types soucis de réalisation et d'éléments narratifs de la saison. Donc tu disais, effectivement, tu m'as dit dans une conversation précédente hors caméra que en fait, en revoyant la saison 7, tu trouvais ça tellement dense qu'en fait, tu t'es dit que c'était pas étonnant, que quelque... pour moi, j'avais vécu comme une récompense, enfin un truc aussi dense que ma tête. Voilà. Ce que j'aurais préféré que tu dises toi plutôt que moi, parce que c'est hyper étrange, je crois que c'est moi qui le dis, mais bon, mais ça me parle beaucoup ce que tu dis ça. Je vais revenir dessus, mais je franchement, le mot trop me dérange. J'aime pas entendre quelqu'un dire c'est trop dense. Déjà, en fait, ça me dérange en général, parce qu'en général, mais après, c'est une approche envers l'art qui est en évolution dans ma vie et qui est devenue un truc très important. En général, le mot trop me dérange. Je trouve que, à partir du moment où on est dans des jugements de valeur, en fait, je trouve qu'on passe à côté de ce qui est important, parce que c'est comme s'il y avait une règle qui existait de ce que c'était censé être. Et en fait, non. Et surtout l'art, mais en réalité, les gens aussi. Tu vois, c'est moi, par exemple, entre-temps, je reprends, quand je donne des cours, je reprends les gens quand ils disent « Ah, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. » Non, t'es pas trop, t'es très, mais t'es pas trop. Donc déjà, c'est important pour moi de dire « C'est très dense, pas trop dense. » Elle est comme elle est, cette saison, et elle ne pourrait peut-être pas dire ce qu'elle dit si elle était faite autrement. Je reviens à ce que je dis, moi, l'ambivalence par rapport à l'émotion, est-ce que c'est peut-être pas la chose la plus intéressante et passionnante de cette saison, en fait? Donc, je ne voudrais pas y renoncer pour rien au monde, tu vois. Je ne voudrais pas qu'on fasse les choses différemment et qu'on passe à côté de ce que ça provoque chez nous, spectateurs. Mais sur ça, quand je disais sur la danse télé-sens, je pense que c'est pour ça que beaucoup de fans ne l'aiment pas trop et sont un petit peu largués. Et moi, par moment, le premier, c'est qu'effectivement, il se passe tellement de choses, comme je te disais, il y a même parfois, en fait, j'ai l'impression que cette saison était moins drôle que les autres. En fait, il y a des blagues, il y a beaucoup de blagues, mais des fois, la blague passe tellement vite parce que tout de suite, ils partent sur autre chose. Fait que t'as à peine le temps de rire, que faut se concentrer sur autre chose. Ou au contraire, il y avait une réplique hyper importante après. Ça fait que quand la blague est mise entre les deux, en fait, t'as pas le temps de capter la blague parce que t'es encore sur l'information d'avant. Et qu'en fait, comme je t'avais dit, c'est que Joss Whedon s'est dit, c'est la dernière saison, je m'en fous, j'envoie le pâté en termes de message, de ce que je veux raconter. On a plus que 22 épisodes et en plus, on y va, on s'en va, voilà, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, de très performant, d'assez génial dans sa façon de penser. De très brillant, et ce qui fait que je pense que là il s'est dit je vais y aller, j'envoie le pâté et je m'adresse peut-être plus au même public d'adolescents qu'au début, et qu'en plus les adultes sont bien intéressés à Buffy, que le public jeune a grandi, mais ce qui fait que je sais que ces scènes là la scène où elle pleure, la scène où elle voit sa mère, c'est des choses auxquelles j'ai besoin de me rattacher. La scène où elle dit quand même Dawn, pareil, ça c'est dur à entendre, j'ai toujours eu un peu de mal, peut-être que tu auras un commentaire là-dessus, mais quand elle dit cette fois-ci j'aurais tué Dawn, j'ai du mal à me dire, est-ce qu'elle dit ça comme réponse à Giles pour dire à Giles, je le dis pour vous le dire, pour vous montrer ce que je suis capable de faire, mais est-ce qu'elle l'aurait vraiment fait? C'est une autre question, parce que pour moi Dawn est quand même un élément très important de ces trois dernières saisons, et vraiment un élément pivot et une encre pour Buffy comme les Spike, même si c'est moins évident pour le grand public, je pense. Mais et que ce moment, malgré tout, à la fin, j'étais content parce qu'il y a beaucoup de moments où elle est très froide avec Dawn, et je me dis c'est quand même dur, mais quand même dans cet épisode-là, heureusement, il y a cette scène où avant d'aller voir Giles, c'est ce qu'on sait, Giles, elle va dans sa chambre sans que Dawn le sache, parce que Dawn dort, et où elle fait une étreinte affective, et je suis là, ok, donc il y a des choses qui se passent. Mais pour moi, tu vois, ce rapport-là, cette ambiguïté entre je suis le chef et je suis Buffy, l'être humain, la famille, les amis, manque un tout petit peu de.
Je pense que, alors oui, non, mais c'est pas un tout petit peu, c'est le, enfin, je répète, c'est le sujet de la série, de la saison. Donc, c'est le sujet de la saison. Je pense que c'est le sujet qui préoccupe Joss Whedon dans sa propre vie. C'est, pour être honnête, le sujet qui me préoccupe dans ma propre vie. J'ai un, comment est-ce que j'associe le fait que j'ai parfois deux trains d'avance sur tous les gens qui sont les plus proches de moi, qui sont des gens très intelligents et brillants, mais moi je fonctionne différemment. C'est en partie mon histoire, mais c'est aussi en partie comment je suis. Et du coup, comment je reste humaine et dans des relations qui ne sont pas que des relations basées sur la condescendance, où je choisis ce que je peux dire à mes proches en me disant bon, ça va être trop compliqué, trop dur à vivre, machin, machin. Enfin, c'est des vraies questions que je me pose tout le temps. Et qui étaient des questions essentielles aussi avec ma mère. Tu vois, qu'est-ce qu'elle était capable d'entendre, qu'est-ce qu'elle pouvait comprendre, et où est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle pourrait juste vivre mal. Enfin, tu vois, c'est des vraies questions. Et aujourd'hui, je suis face au fait que j'ai perdu ma mère, donc automatiquement, il y a l'idée de penser à qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai choisi de dire et de pas dire. Et j'ai aucun regret vis-à-vis de ça, mais c'est des vraies préoccupations. Et je pense que du coup, c'est ce qui est passionnant dans cette saison. Pour le coup, je pense que quand elle dit ça à Giles sur Dawn, c'est aussi parce que un des trucs aussi, c'est qu'on ne la prend pas au sérieux. On ne la prend au sérieux que parce qu'elle est la Slayer. Mais on ne la prend pas au sérieux en tant que chef de guerre. On ne la prend pas au sérieux. Et Giles ne la prend pas au sérieux vis-à-vis de Spike. Il part du principe que son... Que enfin, tu vois, est-ce qu'elle dit ça pour dire je sais ce que je fais. Et je ne suis pas en train d'avoir un truc sentimental comme j'ai pu l'avoir avec Dawn ou comme j'ai pu l'avoir avec Angel. Enfin, pour le coup, avec Angel, elle l'a pas fait, mais comme j'ai pu avoir avec Dawn, dans la saison 5, j'étais prête à... Je m'en foutais de l'avenir du monde, je voulais juste protéger ma sœur. Là, je sais que croire en Spike, c'est protéger le monde. Et c'est une façon de dire, genre, crois-moi, c'est Cassandra, c'est Cassandra. Certains temps, mais ça, je pense, J'ai pas confiance. j'avais du mal à ça, souvent, cet instinct et cette confiance que Buffy a en Spike, qui arrive globalement, enfin, c'est dans Sleepers, ça, je crois, après quand on joue People, où la question se pose, où il tue des gens, et malgré tout, Buffy le sauve. J'avoue que c'est la première fois où j'ai vraiment analysé le fait que Buffy a totalement confiance en Spike, et il essaie de maintenir Spike, parce que le premier, The First, s'intéresse à Spike, et que le reste du groupe lui dit non, non, c'est pas possible. Et c'est la première fois que je me suis senti comme le reste du groupe à dire, mais pourquoi est-ce que Buffy elle fait ça et pourquoi est-ce que vraiment elle protège Spike? Et lui, c'est marrant, cette idée d'instinct. Et je me suis dit, mais est-ce qu'à un moment donné, peut-être ça qui manque juste un point de vue purement de la mythologie pour le grand public en termes de narration, est-ce qu'à un moment donné, ça manque pas de savoir que The First, assez tôt, parce qu'il passe toute la saison à vouloir retourner Spike contre Buffy, tu te dis en même temps pourquoi il tue pas Spike finalement, pourquoi il le tue pas? Est-ce que le First sait que Spike va pouvoir le détruire? Est-ce qu'il y a une prophétie? Est-ce qu'il y a un truc qui dit Spike, ou quelque chose qui laisse entendre que Spike va être le champion qui va arrêter les gens? Est-ce parce qu'il passe toute la saison, même jusqu'au bout, quand il montre à Spike que Angel est là et que Buffy et ainsi Angel se font des bisous, il y a une espèce de mythologie, de la mythologie de récurrence, de vouloir monter Spike contre Buffy, mais ne pas tuer Spike, quand même, ne pas le tuer, ne pas l'éliminer, avec l'intuition, pour l'un comme pour l'autre, que le premier a besoin de Spike pour éventuellement anéantir Buffy, mais que Buffy a besoin de Spike pour sauver le monde. Je me suis dit, là, est-ce qu'il manque pas quelque chose? Parce que c'est intéressant, parce que quelque part, c'est vraiment ce que Joss Whedon finalement a vécu, je pense, avec les fans qui ont dit, on veut garder Spike. Ou James Foster a dit, je dois jouer mon personnage de façon romanesque pour être attachant et rester dans la série et pas me faire tuer au bout de 3 épisodes. Il a dit, je l'ai joué très différemment de ce que Whedon m'a demandé. Quand il voulait que je parle de Drusilla, il voulait que j'en parle vraiment comme une tarée avec un air condescendant, et je l'ai joué de façon beaucoup plus romanesque. Il a dit plusieurs fois en convention, parce que je voulais garder ce job, parce que j'avais un gamin à nourrir, je venais d'avoir un gosse et que j'avais besoin de ça. Je trouve ça très intéressant, et je pense que Whedon, quelque part, c'était. Les fans ont eu confiance en Spike, ont voulu le faire exister, le sauver quelque part. Maintenant, moi, Joss Whedon et Buffy, on sont au même niveau. T'as dit plein de choses très différentes et complexes. Alors déjà, je remarque que depuis tout à l'heure, tu ne parles que des choses qui sont trop comme si ou qui manquent. Et en fait, ça me perturbe un peu parce que je trouve ça dommage de ne parler que de ce qui va pas, en fait, et que même si c'est pour poser des questions, je trouve ça vraiment dommage que ton revisionnage, qui est un visionnage positif de la saison 7, se traduise par une expression de problématique. Non, 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 j'ai besoin de le dire, je le dis, c'est bon. Je choisis 30 secondes de mes 2 minutes pour dire ça. Ça, c'est la première chose. Et je On trouve a ça vu dans très les côtés intéressant positifs. parce que pour moi, Buffy Spike, c'est cette intuition, c'est de l'amour, mais dans le sens très large du terme. Je pense dans le sens très spécifique aussi. Mais c'est un peu comme quand je parle de Buffy, les gens disent, ah, mais non, mais de toute façon, enfin, genre, c'est mon discours n'est pas crédible parce que je suis fan. Alors que j'ai envie de dire, ben non, en fait, je suis fan pour des raisons. Et ben, c'est pareil avec Spike. C'est qu'elle sait entre-temps qu'elle l'aime, et du coup, elle sait que si elle l'aime, c'est pas pour rien.
Et que du coup, et en gros, l'amour, dans le sens large du terme et dans la vie, on ne peut pas contrôler de quoi demain sera fait. 2020 nous l'a prouvé plus que quoi que ce soit. Par contre, à un moment, il faut commencer par le basique. Et le basique, c'est d'être dans une relation d'amour avec le monde et avec les gens qui t'entourent. Et du coup, tu peux pas, le contrôle rationnel, ça ne marche pas. Et la première étape pour être sain émotionnellement, c'est d'exprimer ses émotions et de les exprimer de façon vulnérable, donc personnelle, et pas dans le jugement et pas dans le contrôle. Et aussi d'écouter quand tu aimes quelque chose. Et donc, Buffy, elle a appris... En fait, c'est pas qu'elle a appris, c'est que pour le coup, entre-temps, elle a arrêté de lutter aussi, tout simplement, contre le fait qu'elle sait intrinsèquement que lui... Il l'a fait se sentir bien, donc ça ne peut pas être quelqu'un de toxique, donc ce n'est pas quelqu'un de toxique. Et on s'en fout de la rationalité du reste. Ça, c'est pour une des parties des nombreuses choses que tu as dit dans le truc précédent. Mais pour moi, c'est tout ça, c'est pas la mythologie, c'est de l'amour. Mais ce que je voulais dire par là, ça veut dire que je vais arriver aux choses positives. En fait, c'est parce que je ne parle pas uniquement de ma part, c'est qu'en fait, à chaque épisode que j'ai vu la saison 7, ce que je n'ai pas fait pour la saison précédente, c'est intéressant. Chaque épisode que j'ai vu la saison 7, j'ai été sur les forums de fans, et beaucoup de forums différents, français mais aussi américains, beaucoup. Et anglo-saxon, il y a beaucoup de fans anglais, britanniques de Buffy, pour lire les commentaires. Et c'est pour ça aussi que je t'interroge, parce que finalement, c'est un peu, je me suis dit, ce ressenti à eux qui revient souvent, qui est quand même de beaucoup de fans, c'est finalement quand même une voix assez dense de beaucoup de gens qui exprimaient ces choses-là. Je me suis dit que ça me intéressait d'avoir ta réponse sur ces choses-là, qui étaient des choses que moi, j'ai pu ressentir aussi parfois par certains moments, et qui là se sont amenuisées ou ont disparu. Mais. Voilà, c'est l'émotion. Non, mais je comprends. Mais tout ça pour. Mais voilà, effectivement, une chose que j'ai vu par contre aussi sur la question d'être leader et d'être chef. Puis il y a évidemment la question de la guerre. Faudra qu'on en parle. La question que les saisons 6 et 7 de Buffy, on a déjà un petit peu parlé hors caméra, étaient des saisons post-11 septembre et que c'est en fait capital pour comprendre ces saisons-là. Et tout ce qui s'y passe, et tout ce qui passe dans la fiction en général à ce moment-là, mais encore plus dans Buffy et Angel. Mais ce que j'ai. Mon timer a disparu. Ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est aussi, je pense aussi beaucoup de réflexion sur la leader en général. Ça pourrait être finalement Buffy devient adulte. Et c'est comment Buffy s'inscrit en tant qu'adulte dans un monde d'adultes. Elle devient conseillère d'orientation, mais pas que. En devenant leader finalement de ces gens-là, c'est comme être leader d'une société, avoir des employés. Comment je dirige mes employés? Comment je collabore avec mes collaborateurs? Comme Joss Whedon en tant que réalisateur qui d'un seul coup s'est trouvé catapulté à une tête d'une série qui est devenue à succès, mais ce n'était pas forcément parti pour. Et je pense que la façon dont Buffy gère ses amis, les potentiels et autres, c'est aussi lui des questions qui s'est posées à lui, encore plus quand on voit tout ce qui se passe en ce moment autour de Whedon et ses controverses sur qu'est-ce que c'est qu'être réalisateur, qu'est-ce que c'est qu'être réalisateur à Hollywood et comment tu diriges une équipe avec les enjeux qu'il y a, avec toutes les contraintes que tu as en tant que réalisateur d'une série à succès, comment tu t'inscris là-dedans? Moi, je pense que c'est carrément... je pense que c'est encore plus élémentaire que ça. C'est comment tu fais quand tu es une personne qui a du talent, qui est entourée de gens qui veulent faire des trucs similaires à toi, mais tu as plus de talent que les autres. Et comment tu gardes des relations humaines positives alors que c'est toi qui risques de leur donner du boulot. Enfin, tu vois, moi, je pense que c'est même pas le moment de la réalisation. Je pense que c'est avant. Tu vois, quand j'ai rencontré Joss Whedon, un des moments où il parlait du fait de vivre en Angleterre, et il a dit quelque chose sur Los Angeles et qu'il était heureux en fait de pas être d'être allé en Angleterre. Et à un moment, j'ai dit oui, enfin, je sais plus ce que j'ai posé une question sur la toxicité de la ville, un truc comme ça. Et il m'a dit non, les gens disent tout ça, mais moi j'adore mes amis à Los Angeles. Ils me manquent, je les aime, les gens de Los Angeles. Mais par contre, il n'y a pas de ciel. Il dit l'Angleterre, c'est littéralement au niveau du climat, c'est juste, j'adore quoi. Et du coup, je lui ai fait remarquer que c'est exactement ce que disait Giles dans l'épisode 3 de la saison 1. Et il dit, tu te rends compte que je viens de citer ta proposition? Il m'a regardé, il a rien dit, je sais pas ce qu'il a pensé de ma réflexion. Je fais, you do realize Giles says it, épisode 4. Bon, passons. Mais tout ça pour dire qu'il aime les gens, Joss, et je pense que le truc qu'il fait le plus peur dans sa vie, c'est de perdre ses connexions avec les gens autour, et qu'en même temps, je pense que c'est aussi le reflet de Sarah Michelle Gellar et de la façon dont elle était vue et perçue par les autres. Enfin, tu vois, il y a ça aussi. Il parle aussi de ce que c'est que d'être Sarah Michelle Gellar, avec ce poids qu'il lui a donné en plus, tu vois. De toute façon, Buffy, pour moi, c'est l'histoire d'une surdouée. Donc, c'est comment tu fais quand tu es surdouée pour avoir des relations émotionnelles saines et positives? Et la solution, c'est que tu sors de la rationalité, tu le sors des raisons et du contrôle, et tu rentres dans l'amour. C'est pour ça que j'ai envie de parler du positif, c'est parce qu'en fait,
cette espèce de truc, je suis d'abord mon cœur et l'amour, qui est pour moi un chemin de vie pour aussi la bonne marche du monde, la bonne marche de l'économie. Enfin, moi, je crois que c'est important pour tout, que ce n'est pas du tout sentimental et bisounours, et que ce truc-là, ça commence par, bah, en fait, j'apprends à mon cerveau de d'abord voir le positif et le constructif avant de commencer à voir ce qui manque et ce qui ne va pas. Mais après, je pense que c'est parce que moi, en fait, j'ai beaucoup plus apprécié globalement la saison et j'ai beaucoup plus d'empathie pour Buffy et les personnages en général. Je trouve que de toute façon, tout était là. Enfin, je me suis longtemps dit, mais Buffy, c'est bizarre ce qu'elle fait avec Spike et autres. En fait, je me suis dit, bah non, mais en même temps, ils en ont conscience puisque les autres personnages, tous les autres personnages posent la question. Ils remettent en question pourquoi elle se fait sur du Spike, mais pourquoi elle fait ça. Willow essaie de la soutenir sans comprendre, un peu aveuglément. Anya remet beaucoup ça en question. Alex aussi, Xander aussi. Enfin, Giles quand il revient, et ça m'a, c'était assez passionnant. Moi, pour moi, c'était l'épisode le plus faible, et comme je disais tout à l'heure, comme je disais dans l'émission précédente, c'est le fait qu'ils aient mis le trio dans Conversation with Dead People, où effectivement, je sens que Sleepers est un épisode un petit peu détendu, où il y a plus d'espace pour Buffy et Spike, et où il y a peut-être une storyline qui a été coupée. Et en fait, cet épisode-là, c'est dans cet épisode-là où j'ai du mal, où la façon dont Buffy apprend que Spike a tué des gens. Et je passe peut-être le jeu de Sarah Michelle Gellar qui est plus pauvre, quelque chose de plus froid quand elle est dans la cave et qu'elle dit à Spike, je vais t'aider. Il y a quelque chose là où je manque d'empathie pour la situation, en fait. Je ne sais pas si c'est dans la narration ou dans la performance des acteurs. Cet épisode-là, pour moi, est un épisode charnière dans la compréhension de tout le reste derrière. Et en fait, dès l'épisode suivant, j'ai reconnecté les wagons et j'ai réussi à rentrer dedans jusqu'au bout et à comprendre ce que Whedon et Martin Noxon et toute l'équipe avaient voulu faire et raconter. Mais dans cet épisode-là, c'est là que je décroche, en fait. Et même là, avec ce visionnage-là, avec tes clés à toi que tu m'avais données, ma perception à moi plus mature et beaucoup plus précise, avec beaucoup plus concentrée sur les répliques et sur le texte, parce qu'en général, je suis beaucoup, tu sais, moi, dans la réalisation et les plans, mais là, j'étais vraiment attaché au texte, donc ça m'a beaucoup aidé, parce que, comme encore une fois, c'est très riche, le texte est très riche. Et je me suis dit, cet épisode-là, il y a un truc, je n'arrive pas à savoir mettre la doigt dessus, mais il y a un truc qui manque. Je suis assez d'accord, j'ai un des soucis avec Sleeper, même si j'adore qu'il y ait Aimé Man dedans et qu'il y a plein de trucs que j'aime dedans qui sont de l'ordre du détail, mais c'est pas un de mes épisodes préférés. Mais du coup, je remarque dans ce que tu viens de dire, même si je comprends ton envie de parler des questions que se posent les fans et tout, je remarque quand même dans ce que tu viens de dire que tu as parlé de ce qui te plaisait de façon positive et de façon très hâtive et de façon très générale. Tu as été très vague et ensuite tu es rentré vraiment spécifiquement dans un truc qui ne va pas. Et je reviens là-dessus parce que... Enfin, moi, c'est devenu un truc militant hein, à ce stade de ma vie parce que, en fait, c'est un problème que j'ai tout le temps quand j'essaye d'aider des gens à écrire. C'est que, en fait, le feedback est toujours vague pour le positif et très général et on passe dessus, et très spécifique et précis pour le négatif. Et en fait, ça ne nous apprend pas à réfléchir mieux. Ça ne fait que nous focaliser et nous crisper sur les choses qui nous dérangent. Et effectivement, oui, Sleeper, c'est pas mon épisode préféré, mais en fait, je m'en fous. Du coup, parce que du coup, c'est pas celui dont j'ai envie de parler. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est quels sont les moments qui ont été des moments, des vraies révélations pour toi, spécifiquement, que ce soit en réalisation, que ce soit au niveau du texte, que ce soit au niveau d'un moment, d'un truc qui t'a touché comme ça ne t'avait pas touché avant, quelque chose qui t'a fait aimer particulièrement cette saison 7. Parce que du coup, bien sûr, je vois ce qui peut te déranger et manquer. Mais en fait, ça ne veut pas dire que... Enfin, tu vois, c'est pas... Moi, je dis toujours, en France, on a le problème du fait qu'on ne parle pas de ce qui marche. En fait, les gens disent, c'est super, mais quand même, il y avait ça, ça, ça. Mais du coup, pour moi, ça donne l'impression que... Enfin, ça donne l'impression, ça crée ça sur notre... Ça impacte comme ça notre cerveau qu'il n'y a aucune différence entre correct et excellent. Or, pour moi, entre correct et excellent, c'est là que vivent toutes les choses que j'aime. Du coup, ma question, David, quelle est la partie qui t'a le plus touché, surpris? Et pour le coup, tu n'as que du bien à dire dessus. Je voulais justement conclure sur Sleeper pour les choses négatives, parce que justement, je pense que cet épisode-là, c'est l'épisode qui fait rentrer les gens dans la relation Buffy-Spike de la saison, et qui permet, et dans le début de The First, de toute la dynamique du groupe par rapport à Buffy, et que du fait que cet épisode-là est peut-être un peu plus faible que les autres, et c'est pour ça que finalement, je pense que beaucoup de fans, et moi beaucoup à l'époque, on perd un peu finalement la force des épisodes qui viennent derrière, ou même qui viennent avant, puisque ça fait suite à Conversation with the People, qui est quand même un épisode extrêmement solide. Bah, moi, pendant très longtemps, je détestais Same Time, Same Place. En français, je ne sais plus ce que c'est non plus le titre. Enfin, l'épisode où Willow revient, où il y a le démon qui lui arrache la peau. Et j'ai ressenti la mélancolie de l'épisode et la force du,
de l'hésitation de Willow à revenir et de la celle les appréhensions d'Alex et Buffy et Dawn, comme jamais. J'ai trouvé ça très juste. Je trouve que c'était exactement comme ça qu'il fallait raconter, que c'était beaucoup plus percutant, beaucoup plus, bon, toujours aussi horrible parce que je trouve que c'est dégueulasse. La peau, là, c'est vraiment ignoble. C'est partie des épisodes de Buffy que je trouve vraiment ignobles et qui font peur. Je trouve qu'entre l'épisode à l'hôpital avec le Kinder machin chouette là, plus évidemment, et l'extraterrestre du météorite qui crache des trucs dégueulasses sur les gens fous, quatre épisodes vraiment cracra de Buffy qui me font peur. Mais voilà, je trouve que là il y a une vraie réussite. C'est la première fois que j'ai vu cet épisode en l'appréciant vraiment. Bon, j'adore toujours Help, que je trouve toujours magnifique. Pareil, j'ai toujours eu un peu de mal, parce que cet épisode il paraît très très riche et je comprends pas forcément tout, même si je sens que ça annonce quasiment toute la saison, que ça met tout en place justement avec le côté émotionnel. Et je pense que c'est aussi un épisode important sur pourquoi Buffy se referme un petit peu émotionnellement. Je pense que le fait de ne pas avoir réussi à sauver Casey à la fin de cet épisode là pour elle, c'est une catastrophe. Le côté presque comme la fin d'Angel, il faut continuer à se battre coûte que coûte. Ce dernier plan d'elle dans son bureau au lycée en mode bah, je continue, il faut que je continue à sauver les jeunes, à aider les gens, et malgré tout, c'est d'une force. Et je pense que ça annonce tout ce qu'il y a à venir derrière, et que comprendre Help permet de comprendre tout l'arc narratif de Buffy jusqu'à la fin de la série. Je suis assez d'accord. Écoute, moi, quand je pense à la saison 7 que je n'ai pas revue depuis longtemps, en fait, je pense à Buffy qui fait la gueule, dans le sens positif du terme. Je pense à quel point je me sens proche de ça, à quel point je recomprends. J'ai tellement d'empathie envers son impatience sur le fait qu'ils passent leur temps à la remettre en question. Et pourquoi tu fais ci? Et pourquoi tu fais ça? Et machin, on va faire ci, on va faire ça. Et machin. Et puis de toute façon, oh là là, oh mon Dieu, elle est blessée. Oh, enfin, tu vois, c'est... En fait, ils sont pas helpful du tout, quoi. En fait, je suis en train de réaliser un truc, c'est ça. Ils ne savent pas être supportive. Et c'est rigolo parce que c'est une frustration que j'ai que j'ai connue beaucoup plus dans ma vie adulte, parce que plus je suis sûre de moi, plus je suis sûre de choses que je veux faire, plus j'ai ressenti des moments comme ça, que heureusement j'ai solutionné. Mais tu vois, par exemple, un truc qui me rend folle, c'est quand j'essaie de faire un truc avec quelqu'un et que je l'implique dans le brainstorming et que la personne me demande des questions très précises auxquelles dont j'ai pas les réponses et qui du coup en fait détruisent le moment créatif. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça, tu vois, c'est, en fait c'est maman Buffy, mais c'est maman genre on va jamais reconnaître son truc. C'est juste, bah maman, on fait quoi? Bah maman, on mange quoi? Bah maman, on fait quoi? Et puis je dis, attention, maman, elle va s'énerver hein, si on commence à parler. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a un côté, il y a une telle injustice. Et du coup, ça me parle, mais tellement, c'est tellement quelque chose que j'ai ressenti, que je ressens. Et puis aussi, le côté, à un moment, l'impatience de, eh, franchement, les gars, si vous n'êtes pas capable d'être helpful, si vous ne savez pas comment m'aider à avancer, bah en fait, fermez vos gueules, ce sera plus simple, quoi. Et que quelque part, Spike, pour le coup, il est là, quoi. Il est là, il comprend. Et que, en fait, justement, tout ce que... Toute sa confiance intrinsèque qu'elle a et qu'elle décide d'avoir dans cet épisode... Enfin, dans le début de... Dans l'épisode, en fait, où elle décide de le retirer, bah, de... Ouais, mais ça, j'en parlais justement avec... J'en parlais avec Juliette, avec ma meilleure amie. C'est effectivement ce que je disais. C'est ouf, c'est dingue, parce qu'ils passent leur temps à donner à Buffy. Fais ci, fais cet arc de... Finalement, de Slipper, au moment où ils comprennent la présence du premier... jusqu'à Showtime, ils passent leur temps à lui confier le bébé, à lui dire qu'est-ce qu'on fait avec toi, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu dis, nous qu'est-ce qu'on doit faire, dis-nous comment on doit agir. Et ils veulent être dirigés, ils veulent être cadrés, ils veulent que Buffy dirige, et petit à petit, comme les choses ne leur plaisent pas, ils finissent petit à petit par se retourner contre elle. Et je suis là à un moment donné, je dis mais vous vous rendez compte qu'en fait l'injustice, vous lui avez confié le bébé, vous passez votre temps à vous tourner vers elle pour tout, mais pour tout, et au final la première décision qui va pas, vous la remettez en question, vous la virez. Enfin, et ça, effectivement, ça paraît. C'est dans le côté patriarcal, le côté on veut un chef militaire, on veut un général, on te donne le poste de général, on t'impose parce que effectivement, tu es plus forte que nous, tu as des pouvoirs, etc. Pour au final dire, ben ouais, mais en fait, qu'est-ce qui fait que tu es plus forte que nous? Mais en fait, j'étais là, c'est une mécanique très intéressante. Mais encore une fois, dans le côté Joss Whedon, showrunner, la façon dont il gère. Pareil, et je pense qu'il y a une ambivalence aussi avec le fait de l'ego. Moi, je sais que quand j'avais beaucoup d'ego, je vais être honnête, quand je n'avais pas encore réglé avec mon ego avec mon psy, que quand j'étais ado et un petit peu adulte, on va dire fin lycée, début fac, début petit mart, la saison était beaucoup plus agréable à regarder parce que j'ai identifié encore plus à Buffy. Parce que pour survivre, quand on est leader, et c'est en tout cas une sensation qu'on a, justement, c'est intéressant, qu'au lieu de partager le pouvoir, il faut au contraire... Le posséder, l'incarner pleinement. Quand
d'autant plus quand on te le tend et qu'on te le donne, et que j'ai beaucoup plus apprécié finalement la saison et les moments où Buffy se faisait virer, c'était très dur pour moi. Et que finalement, maintenant que j'ai réglé cette histoire d'ego, j'ai un tout petit peu moins d'empathie pour Buffy, et en même temps, en termes d'analyse, je me dis, mais en même temps, c'est normal que ce personnage-là, que Buffy à ce moment-là, vive ce qu'elle vit en fait. C'est parce que à un moment donné, elle n'a absolument pas le choix. Et puis surtout, voilà, il la met dans cette position effectivement. Et en fait, et ils sont pas. Mais tu sais, c'est ce truc. Moi, je me rappelle très bien à l'époque des émissions que j'écoutais, et on va en reparler plus précisément. Mais en réaction à l'épisode où elle se fait virer, j'écoutais une émission de radio locale dont j'ai déjà parlé qui s'appelait Soccer Boss Club. Et une nana était tellement énervée. Elle a dit, mais quelle bande de ingrates, tu vois, quelle bande de rats, tu vois. Et c'est intéressant parce que le truc, la référence qu'elle a faite, c'était Homecoming. Et en ayant revu Homecoming, c'est vrai que, mais en même temps, ça ne m'étonne pas d'eux, mais le moment où Buffy a besoin d'être soutenue, elle est dans un truc triste de se rendre compte qu'elle n'a pas d'existence dans le lycée, elle ne peut compter sur personne. Les autres sont tellement préoccupés par leurs petits problèmes qu'ils ne s'occupent pas d'elle et qu'ils ne la soutiennent pas. Et ça, une fois de plus, je m'identifie à ça, le côté, non mais t'es tellement forte, je ne sais pas comment t'aider, donc on va te laisser faire. On va te laisser te démerder toute seule. Et le fait de, non, en fait, quelle que soit la force ou la puissance de qui que ce soit, au contraire, en plus, j'ai l'impression que les choses positives que je peux faire, que je sais faire, qui me donnent un aspect special, font que du coup, je m'aventure dans des choses où il n'y a pas de modèle. Ce que je fais dans ma vie, faire mes vidéos en anglais pour décider écrire, comment écrire, c'est un truc que je fais sans aucun modèle. Je fais un truc, je me mets à poil dans l'arène, tu vois. Bon, j'exagère, mais c'est quelque chose que je fais. Et du coup, c'est dur. Et du coup, j'ai encore plus besoin de soutien. Et je pense que Buffy, enfin moi, c'est quelque chose que je vois dans Buffy. C'est que Buffy, elle essaie de faire des choses. Et du coup, elle est toute seule, elle n'a pas de modèle, elle doit tout le temps réinventer. Et les autres font j'adore les autres personnages, mais là-dessus, ils sont pas cool. Et en fait, elle n'a jamais été soutenue inconditionnellement, sauf par Spike. Mais non, mais c'est vrai. Même Angel, tu vois ce que je veux dire. Non, mais qui la soutient et qui continue dans les comics malgré tout ce qui se passe entre eux, qui la soutient inconditionnellement, c'est lui. Parce qu'il l'accepte. Moi aussi marqué dans cette exactement qui elle est. C'est la première fois que je ressens vraiment le speech de la Terre, qui est le speech de la première fois que je ressens vraiment la première fois que je ressens vraiment elle va pas y arriver. La première fois que je sens vraiment le deuil de Willow. Que là, j'ai vraiment senti le manque de Tara, et puis surtout, puis aussi, c'est pareil, c'est jamais tout à fait explicité, mais c'est là quand même le schisme avec le groupe. Finalement, Buffy le dit quand Willow va revenir, elle dit comment on l'appréhende. Giles a dit qu'elle revenait, qu'elle allait mieux, mais pas tout à fait. Que pareil, que dans son rapport à Willow, quelque part, t'as aussi finalement envie de cette connivence qu'il y a eu pendant longtemps, et que finalement, pour savoir ce que tu te dis, mais ça manque. Est-ce que ça manque parce que justement, il y a ce côté militaire général, mais finalement, cette façon dont elle s'isole, c'est parce qu'à un moment donné, la fin de la saison 6 est arrivée. Et Willow a quand même tué Warren, et Willow a quand même failli détruire le monde, et qu'à un moment donné, on sait comment ça se passe dans Buffy, mais alors peut-être s'il y avait eu une saison 6,5 entre la 6 et la 7, peut-être que ce serait amélioré, et on voit d'avoir la saison 8 de Buffy en comics, les rapports sont meilleurs, mais là tout de suite, c'est pas possible en fait. Il y a Willow et Buffy, il y a une confiance, il y a une connivence, il y a un vécu, elles ont un combat similaire, elles se soutiennent, c'est la famille finalement, mais c'est une famille, mais c'est à ce moment-là, dans cette famille-là, là, il y a un schisme, là, il y a une blessure, il y a quelque chose qui doit être réparé, qui va mettre du temps, qui clairement se passe bien après la série, et qui effectivement isole Willow et Buffy l'une de l'autre, mais qui fait qu'on sent le deuil de Willow et qui fait que Willow devient un personnage beaucoup plus indépendant dans la saison. Je pense qu'elle n'a jamais eu un rôle aussi important que dans cette saison-là, la 6 et la 4, où elle a quasiment une plotline pour elle-même. Mais c'est la première fois que j'ai vraiment senti ça et je me suis dit ok, il y a une force sur ce qu'il raconte dans Willow, même si ce que j'avais dit, je la sens un peu éteinte et que je trouve que quand elle apparaît dans Angel dans la même année, elle est beaucoup plus vive, beaucoup plus, elle a une façon d'être. C'est plus facile de faire semblant quand t'es à l'extérieur de chez toi. Voilà, exactement, comme on dit dans et puis surtout je vois ce que tu veux dire sur Willow, et moi j'ai toujours pensé cette espèce de lente sang, enfin de tristesse là, qui est là, elle est juste là, et c'est très très beau en fait, tu parlais tout à l'heure de la saison 7, oui, mais les fans, je ne sais plus ce que tu disais par rapport au fait de vouloir donner quelque chose. Je sais plus, en fait, j'ai envie de dire oui, mais en fait, pour Whedon, c'est aussi la saison 7, c'est le dernier opus de l'œuvre, quoi.
Je veux dire, c'est son chef-d'œuvre, il le sait. Même si à l'époque, apparemment, selon ses propres dires, il n'avait pas encore compris que lui-même était Buffy. Mais bon, c'est super drôle quand même. Mais effectivement, c'était la fin de l'opus et il avait besoin de l'écrire. Il avait besoin de l'écrire comme ça devait sortir, tu vois. Et pour moi, la forte identification que j'ai avec cette saison 7, vu comment j'ai reçu en plein cœur Buffy quand ça a commencé, sans comprendre pourquoi, à quel point j'aimais et pourquoi ça me faisait cet effet-là, pour moi, le fait que la saison 7 soit si proche, non seulement de ma sensibilité, mais que ma vie depuis que je l'ai vue la première fois continue à répondre à des choses et à me faire montrer des choses, montre que cette saison 7 est parfaitement au diapason du reste. Après, je pense que voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui aiment Buffy et qui regardent Buffy, mais je trouve qu'il y a presque. Je suis toujours étonnée du nombre de gens qui adorent Buffy parce que je me dis, c'est pas possible. Je me sens tellement proche de cette série et de ce personnage, je me sens tellement proche de Whedon que je n'arrive pas à imaginer, moi qui me sens souvent si différente du reste du monde, pas de tout le monde, mais quand même, il y a plein de choses où j'ai l'impression que je dois composer avec ma différence. Et enfin, ça me va très bien, c'est comme ça. Comment ça se fait que tous ces gens, est-ce qu'on est vraiment tous les mêmes et cachés à des endroits, ou est-ce que c'est comme ce que tu m'avais dit un jour sur Bref, qu'il y a la moitié des gens qui se reconnaissent dans le personnage et l'autre moitié des gens qui rigolent parce qu'ils trouvent ça hallucinant qu'on puisse être comme le personnage? Mais non, c'est clair, mais il y a deux justement, dans le côté patriarcat et Buffy qui prend son indépendance du patriarcat et qui s'émancipe de ça, qui essaie de trouver un système alternatif à cette absence de choix, c'est-à-dire ce choix, mais cette absence de d'options. Il y a deux hommes intéressants dans cette saison qui apparaissent. Il y a Wood, je pense, dont on peut parler, parce que le fils d'une tueuse, en termes de mythologie, je pense que c'est une super idée. Ça n'a jamais été vraiment abordé. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui, pour le coup, a été très bien abordé dans la suite en comics, et quelques fois où on le voit. Qu'est-ce que c'est qu'être le fils d'une tueuse et qu'est-ce que c'est que pour une tueuse d'avoir un enfant. Et ensuite, heureusement, quelque part, des fois, je me dis que Firefly a été annulé, parce qu'aussi bien dans Angel que dans Buffy, on a quand même eu. C'est super casting de Jasmine et de Caleb. Et je veux dire, à un moment donné, voilà, quand je discute des fans de Buffy, et c'est pour ça que j'ai pas eu aucun doute sur la question du patriarcat dans la saison quand on a parlé, et la question de la façon, et je trouve qu'on voit encore une fois la fin ultra féministe de la fin, mais Caleb, l'entité ultime, déjà on dit, c'est le père, father, en anglais ou en français ça marche, ça c'est un prêtre, enfin, à la fois au niveau de la religion, au niveau de tout ce qui est inscrit dans l'histoire, au niveau de. C'est le patriarcat ultime, en fait, Caleb, et dans tout, et c'est du génie d'amener, bon, déjà parce que Buffy a besoin d'un ennemi tangible, d'un point de vue déjà pratique, à combattre, ça c'est déjà quelque chose, mais au-delà de ça, ils ont trouvé l'élément parfait, le personnage parfait pour représenter tout ce que la série est, tout ce que la saison est, et comment est la meilleure façon de le terminer, en fait. C'était quelque chose d'extrêmement pertinent. Pour finalement, et puis ça, et en plus pour les gens qui n'auraient pas de piste pour savoir comment analyser la saison, ça c'est quand même Caleb, j'ai envie de dire la solution est là en fait. Ah, c'est rigolo parce que moi je suis vraiment bloquée sur mon interprétation historique et que en gros au début The First ça ressemble au terrorisme, sauf qu'à la fin ça ressemble à la droite républicaine et au copain de Bush qui veut envahir l'Irak. Et donc au début on dirait que les potentiels sont les Américains qui ont subi le terrorisme. Et à la fin, on a l'impression qu'ils sont en siège et qu'en fait, c'est les Irakiens qui sont sur le point de se faire... la population de Bagdad qui est sur le point de se faire attaquer et sur le point de se faire maltraiter par... voilà. Sachant que quand j'ai dit ça à Joss Whedon en disant ouais, j'ai écrit sur la saison 7 et Bush et qu'il a dit « Ah non, c'est pas un truc où elle parle comme lui. » Et je dis « Ben non, en fait, j'ai prouvé le contraire parce que... » Et là, après, je dis, en fait, si on réfléchit, la représentation du First, enfin, des Minions, au début, ça pourrait ressembler à Al-Qaïda, alors qu'en réalité, à la fin, ça ressemble à la droite républicaine. Donc, on est un truc sur le fait que, en fait, un rapprochement entre les deux formes de evil et que, du coup, qu'en fait, qui, dans les deux cas, sont au détriment des femmes. Et Margaret a fait « Wow !» Et il a dit « Tu t'y connais mieux que moi. » Donc, je ne suis même pas sûre qu'il avait réalisé. Et pour moi, Caleb, c'est aussi, il est créé au moment où ils sont en rébellion contre le gouvernement américain qui veut partir en guerre. Autant quand il crée la guerre préventive et qu'il crée toute la première partie de la saison 1 jusqu'au speech de guerre, c'est avant que les choses s'enveniment et que Bush commence à vraiment essayer de trouver le moyen de convaincre les gens de partir faire la guerre en Irak. Mais Caleb, il a dû être écrit au début de l'année, fin
fin 2002, début 2003. Et à ce moment-là, il y a des milliers d'Américains qui sont dans la rue en train de dire non, non à la guerre. Et on est avec l'idée de la droite évangéliste que, enfin de, et que Bush, les administrations Bush et pro-Bush commencent à essayer de gratter les droits des femmes, les droits à l'avortement, les droits à la... Tu vois, donc en fait, pour moi, c'est une réaction aussi, en fait, à ce moment-là, c'est quoi, est-ce qui est méchant? Et du coup, c'est très juste qu'en fait, c'est complètement au diapason. J'aime bien cette... du reste de la série, et ça effectivement ça parle de quelque chose de fondamental dans la série, mais pour moi c'est aussi une réaction d'auteur à un moment très spécifique d'histoire où ils arrivent dans la writer's room avec envie de tuer tout le monde, quoi, parce que je pense que c'est ça qui s'est passé, tu vois, ils étaient en colère sur ce qui se passait dans leur pays, et donc du coup il y avait en train de faire 3 minutes, mais c'est complètement perdu par rapport à ce sujet là. Ce qui m'a effectivement frappé, effectivement, on en parlait. Je me rappelle très très bien que quand la saison 6 a commencé de Buffy, j'étais très étonné qu'il ne parle pas du 11 septembre. En fait, j'en avais besoin. Pourtant, j'avais été marqué, comme tout le monde, j'avais été marqué, mais j'étais très jeune. J'avais 12 ans à l'époque, je crois. Et j'étais à la fois très marqué, en même temps très, très à distance. Et malgré tout, je m'étais dit, je m'attendais à ce que Buffy ou Xander, à un moment donné, fasse référence à l'événement. Pour moi, comme c'était presque la réalité, c'est une forme de réalité, à l'événement qui s'est passé entre la saison 5 et la saison 6, et qu'on en parle à un moment donné. Mais. Et puis, j'ai plus jamais vraiment repensé. Et puis là, en voyant, je me suis dit, mais je me rappelle, je t'ai posé la question, tu te rappelles, on en a parlé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre la 5 et la 6 pour que Buffy devienne aussi sombre, en pensant évidemment à la saison 6, mais pas que, la saison 3 d'Angel est aussi magnifiquement bien écrite, pour le coup, beaucoup plus consistante, et il y a moins les trous dont on parlait sur la 6 de Buffy, mais c'est un chef-d'œuvre, mais d'une dureté insupportable, c'est très dur à regarder, on en reparlera, mais ce qui m'a marqué, c'est, voilà, je me suis dit pourquoi ces deux saisons-là sont aussi semblables. Après, je me suis dit, mais en fait, la 4, à sa façon, la 4 d'Angel comme la 7 de Buffy, c'est deux saisons sur la guerre. Ces deux saisons sont un combat interminable avec des épisodes feuilletonnants. Alors, car à l'époque, il n'y avait pas encore eu 24 heures chrono, il n'y avait plus Desperate Housewives, les séries de Lost, les séries feuilletonnantes, ça n'existait pas vraiment encore. Et je me suis dit, mais. Voilà, c'était le début. Mais je me suis dit, mais ça, qu'est-ce qui fait que c'est pas les... de combat impossible. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, c'est que. En plus, là, j'ai regardé Angel et Buffy avec les crossovers. J'ai vraiment fait les deux en même temps de façon très singulière. J'ai trouvé ça, en fait, j'ai adoré, mais c'était éprouvant, émotionnellement éprouvant, parce que c'était dur, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi c'est aussi dur? Même les séries actuelles sont moins dures. Je me suis dit, mais oui, c'est en plein, en étant. Ils ont vécu le 11 septembre au milieu, à la fin de la 5 et de la 2 dans Buffy. Et les deux séries ne sont plus jamais les mêmes. Même l'humour est différent. Ce que tu me disais, c'est que l'humour était plus dark. Même l'humour était plus dark, mais c'est très. Alors donc non, le feuilletonnant, c'est pas que ça n'existait pas avant. Enfin, le vrai truc qui est intéressant, c'est qu'une série, généralement, enfin une bonne série, reflète une formule d'écriture et des schémas narratifs récurrents, et qu'effectivement, dans les deux cas, et surtout dans le cas, enfin, je trouve que c'est très flagrant dans Angel saison 4, 24 heures chrono existait absolument déjà à l'époque. Hein, c'était j'ai envie de dire, est-ce que ça a commencé la même année ou l'année d'avant, je vais aller vérifier, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ils changent de formule par rapport à eux-mêmes. Après, c'est rigolo parce que c'est quelque part quelque chose de très un jour j'ai dit accorder Graham Smith Carpenter, la fois où je l'ai rencontré, à la fin de la convention où je traduisais pour elle, je lui ai exprimé tout l'amour que j'avais pour elle, et notamment le fait que la saison 1 de Angel était compliquée à regarder, mais que je disais toujours aux gens, si vous vous concentrez sur Cordelia, vous allez passer un moment incroyable, parce que je lui dis, la façon dont tu fais vivre ton personnage, donc chacune de tes répliques est en vie, elle dit, waouh, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une actrice, et je dis, absolument, et je le pense d'ailleurs sincèrement, je pense que c'est avec Nicholas Brendon, deux des acteurs les plus sous-estimés dans leur capacité à crédibiliser le texte très étrange parfois qu'ils ont à dire. Et elle m'avait dit, oui, je pense que le problème de la saison 1, c'est qu'on se focalisait trop sur les guest stars. Et j'ai fait, oh, mais elle a raison. La saison 1, un peu comme la saison 1 de Buffy, c'était un peu le phénomène X-Files, quoi. Chaque épisode a un petit truc, machin, et on se focalise trop sur le truc au lieu de se recentrer sur l'équipe et sur ce qui se passe de façon interne pour les personnages. Et du coup, le fait qu'on arrive à la saison 4 à un truc feuilletonnant, quelque part, c'est comme une progression presque naturelle. Exactement la même chose à Charisma Carpenter quand je l'ai vu il y a maintenant un an.
Feu les conventions, vivement que ça revienne, mais je lui ai dit exactement, je lui ai dit la saison. Moi, j'aime beaucoup pour le coup la saison d'Angel, mais je lui ai dit pourquoi j'aime beaucoup, c'est parce que c'est la saison de Cordelia. Cordelia est incroyable dedans. Il y a beaucoup d'épisodes sur elle, elle a les meilleures répliques, elle est incroyable, elle est resplendissante. Et je lui ai dit exactement la même chose, elle a du dessin, c'est marrant, elle a des connexions. On est twin ou on ne l'est pas. Mais voilà, mais effectivement, ouais, c'est pour ça, en fait, je me suis dit, mais en fait, les deux dernières saisons de Buffy, donc les trois dernières saisons d'Angel, sont d'une violence et il n'y a pas grand chose comme ça depuis. Et effectivement, parce que même si on reparle a posteriori de ces événements-là, qu'on en parle peut-être plus maintenant facilement dans la fiction qu'à l'époque, il y a quand même simplement, hein, les scénaristes l'ont vécu, une éponge, et la violence et la dureté de ces événements, je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui a changé la série? C'est littéralement un événement, des événements réels en fait, qui font qu'on a d'abord une saison dépressive, ensuite une saison combative mais dure, et sur un combat dantesque et plus grand. Et dans les deux séries, surtout, je me suis vraiment dit, c'est la première fois que je vois vraiment les deux séries avec les crossovers vraiment dans l'ordre, en faisant tout comme il faut, ce qui n'est pas évident, parce que les épisodes ne correspondent pas. À cette époque-là, sur Warner et UPN, il y avait un décalage de diffusion, donc ce n'est pas évident à regarder. Et j'ai fait les deux en même temps, vraiment en même temps, j'ai fait, c'est vraiment dur à regarder, c'est vraiment d'une violence. Bon, en plus, il y a la déchéance de Cordelia, mais qui n'aide pas. Mais malgré tout, je me suis dit, dans les deux séries, et en plus, ce qui est génial, c'est dans des choses différentes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la question du pouvoir, de l'autre côté, il y a la question avec Jasmine du contrôle, d'un côté, le mal qui va être le mal ultime, de l'autre côté, Jasmine qui veut proposer, sous peine de contrôle, le bien ultime. Et il me semble que dans les deux cas, c'est très percutant, c'est des personnages qui se battent coûte que coûte. Et je me suis dit, là, on est face à quelque chose d'une force incroyable, mais qui n'est pas anodin. Moi, en tant que spectateur, je suis ressorti là, j'ai fait wow. le petit sourire à la fin de Buffy, à la fin de la 7, là, ces quelques secondes d'apaisement, j'ai fait ah ouais, c'est bienvenu en fait. C'est la première fois que je me suis dit, j'ai toujours trouvé ça un peu mignonnet et cucu, parce que j'aime bien le côté dur de Buffy. En fait, là, j'ai fait ouais, en fait, quand tu vois Angel en parallèle, tu fais. Bah, j'avoue que surtout, pour le coup, dans le dernier épisode de la saison 7, le moment de où il joue à Donjons et Dragons, je pense que ça, c'est le moment dont tu avais le plus besoin dans la série. C'est le truc incroyable. Ça fait la première fois que je me disais, j'arrive pas à croire qu'il pense ça. Genre, Giles qui dit, putain, à une époque, j'étais un observateur respecté, maintenant, je suis un nain coincé dans un truc. Mais non, mais c'est clair qu'ils étaient traumatisés. Et pour bonne raison. Alors, j'ai vérifié, le premier épisode de 24, en français 24 heures chrono, a été diffusé le 6 novembre 2001. Donc, je te confirme, au moment de la saison 4 d'Angel, il y avait déjà eu une saison de 24, que probablement tout le monde avait remarqué. Regardez, en plus, la saison de 24 n'est pas trop facho. Donc, je pense qu'à l'époque, tout le monde était fan, avant que ça tourne vraiment facho. Enfin, facho. Plus compliqué que ça, mais en tout cas, militariste d'une façon qui est très anti-Buffyverse. Mais ouais, clairement ils sont très traumatisés et je pense que c'est un sujet difficile dont ils ne savaient pas comment parler. Après, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment un truc où le 11 septembre a beaucoup, beaucoup, bien sûr, influencé l'écriture, mais aussi beaucoup influencé la réception. Enfin, il y a un truc qui est fou en fait, c'est que dans les mois qui ont suivi le 11 septembre, il y a eu la sortie de déjà 24 heures chrono, tout un truc de contre-terrorisme, donc voilà, je pense que ça a favorisé le succès aussi. Et il y a eu Le Seigneur des Anneaux et le premier Harry Potter qui sont sortis dans la foulée. Et donc en fait, on tombe sur des gros succès cinéma, mais aussi de choses où on joue sur le côté le grand méchant est un espèce de truc magique en deux. Enfin, tu vois, on sort complètement du réel parce que, et quelque part, il y a un écho avec la menace terroriste qui est quelque chose qui est très difficile à contrôler. Et donc effectivement, ce désir de trouver la solution, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, enfin tu vois, ce désir de reprendre le contrôle sur le monde. C'est vrai, mais c'est encore, bon, après c'est un autre débat, mais je pense qu'on peut pas prendre le désir de toute la fiction post. En fait, t'avais 14 ans à l'époque quand il y a eu le 11 septembre, juste pour confirmation. Mais ouais, et pour un peu avant d'arriver, pour peut-être partir pour conclure bientôt sur la fin de la saison, la fin de la saison 7, les cinq derniers épisodes et le final. Mais je vais parler un peu de mes épisodes préférés, je vais en parler dans les choses positives de la saison, évidemment, Conversation with Dead People, Connivence en français, le titre le plus con du monde, de toute façon, mais qui est, à chaque fois que je le vois, je l'adore. Bon, déjà, la musique d'intro et de conclusion écrite par Whedon est magnifique. Blue. De Angie Hart, chantée par Angie Hart. Enfin,
La musique, toutes les scènes sont, tout est pointu, tout a, ça a été écrit avec une précision. Puis les, bon, Buffy Holden, enfin, c'est cette thérapie qui était nécessaire. Cette thérapie était nécessaire. Pareil dans le côté où effectivement on abandonne un peu l'émotion, dans l'intimité peut-être interne de Buffy, le côté elle se met à distance, elle a une forme de une autre forme de dépression finalement que celle de la saison 6. Finalement, un peu le ça mon reproche, c'est qu'on est dans deux formes de dépression consécutives. Je suis là, oh là là, quand même. Mais encore une fois, on sait pas. Voilà, c'est. Voilà, c'est qu'il y a quand même ce moment où elle souffre totalement, ce moment où elle parle, et justement elle parle de son rapport aux hommes, parce que c'est quelque chose que j'avais oublié, j'avais un peu oublié de quoi elle parlait. En plus, je me rappelle qu'ado, j'avais trouvé ça passionnant, mais j'avais rien compris. En étant adulte, j'ai beaucoup mieux compris son rapport aux hommes, son rapport à son père, son rapport à Angel, Riley, Spike. Enfin, c'est très très bien raconté. Puis même la petite blagounette sur Scott qui a fait son coming out parce que l'acteur a joué dans Quora Sol derrière, je trouve ça très drôle. Mais voilà, bon, l'épisode me passionne toujours, je l'adore toujours autant. La partie sur Willow, pareil, je regrette pas que finalement Robert Pattinson ne soit pas revenu parce que Cassie, la comédienne qui fait Cassie, est magnifique et que je trouve que ça donne plus de poids en plus au chantage. Tu veux la revoir, et bah tu te tues, je trouve ça encore plus fort que si elle l'avait revue pour dire au revoir. Je pense que nous deux, je parle pour toi, mais qui avons perdu nos mamans, je pense que les revoir pour leur dire au revoir, ce serait beaucoup plus facile que quelqu'un qui nous dit. Si tu veux revoir ta mère, quelqu'un d'autre qui est mort, donc ça me fait comprendre que c'est petit. Si tu veux revoir ta mère, bah écoute, voilà ce qu'il faut faire. Et toi, tu dis, mais j'ai envie de la revoir, mais je trouve ça donne plus de force en fait. Et l'actrice est magnifique et ça lance très très bien l'intrigue de la saison. L'épisode, bon, j'ai toujours adoré le double épisode central de la saison avec le Turrican, simplement parce que c'est une action très réussie, que l'arrivée des tueuses, même le discours de Buffy, même s'il est un petit peu, on s'en rend compte biaisé par la suite, son discours de motivation, c'est quand même génial de l'avoir. Criblé de sang, totalement diminué, se dire on y va coûte que coûte. Et puis j'ai toujours aimé cet épisode, sur la mer de Spike, l'épisode sur la mer de Spike, où avec Wood, avec le montage alterné, les décors, le rapport incestueux de Spike et sa mère, mais c'est dément cet épisode. Ça dit tout sur Spike, ça dit tout sur Wood, ça dit tout sur Buffy et la série et le personnage. Je trouve cet épisode incroyable, le rapport de Giles et Buffy qui se bat contre ce vampire qu'elle tue pas parce que Giles dit non, là, je tue. Enfin, cet épisode, je me dis, il a une ampleur émotionnelle. Et même, ça a pu y avoir très peu lieu, le flashback, etc. Le flashback de Spike, le cimetière et l'endroit où Wood enferme Spike. Le garage de Wood. Tout ouais. Est réfléchi, la musique, la chanson, la comptine. Early one morning. Voilà, cet épisode, je le trouve absolument génial. Et puis, c'est vraiment l'épisode qui ouvre en plus sur les cinq derniers. Évidemment le final que j'adore. Pendant très longtemps j'ai adoré Dirty Girl, je l'aime beaucoup moins maintenant parce que je le trouve très bien réalisé, mais finalement qui raconte moins de choses que ce que j'en pensais. Par contre voilà, à l'inverse par contre, alors pas Empty Place mais l'épisode d'après Touch, pendant longtemps en tant qu'ado je me faisais un peu chier, maintenant je l'adore. Maintenant je trouve que c'est déjà par rapport au reproche que j'ai fait avant, quand tu dis j'ai envie que Buffy ressente des émotions, voilà, on a enfin Buffy qui se livre, Buffy qui parle, Buffy, on nous rend un peu finalement une Buffy plus équilibrée qui a traversé, elle devait traverser tout ce qu'elle avait à traverser pour être ce fameux, à défaut d'être un cookie prêt à être croqué par quelqu'un d'autre, elle avait au moins un cookie qu'elle est prête à s'auto-croquer. Je ne sais pas si la métaphore fonctionne, mais ouais. Alors c'est mon tour, alors du coup en fait j'ai rigolé parce que pendant je pensais j'ai revu récemment un passage où elle dit à Giles, I'm in the fight of my life, même ça tu sais t'es tel, au contraire que je fais really, je fais not you. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais Scott ou je ne sais plus quoi. C'est tellement drôle. Mais moi, je suis d'accord avec tous ces épisodes-là. J'adore. En fait, quand tu m'as parlé du double épisode du central, du coup, je pense bien sûr parce que j'adore Spike, mais j'adore pas. Une fois de plus, j'adore pas. Enfin, tu vois, le truc, c'est je ne peux pas être discrédité de ce que j'apprécie chez Spike parce que j'adore Spike. J'adore Spike pour des raisons et j'adore leur relation pour des raisons. Et je trouve que c'est une histoire d'amour absolument sublime, en fait. Et que pendant longtemps, j'ai dit que c'est une histoire d'amour adulte, mais c'est aussi une histoire d'amour profonde, vraiment profonde. Moi, j'ai tout le temps dit, Buffy et Spike s'aiment en dépit de leurs identités. Et en fait, se sont toujours entendus en dépit de leurs identités. Et en fait, ils ont toujours eu un truc entre eux. Il y a toujours eu une espèce de connivence, une sensibilité, une compréhension, un respect l'un de l'autre que quelque part... que parfois elle se racontait d'autres trucs, mais en réalité il y a toujours eu un truc. Et je pense que pendant deux saisons elle a arrêté de le voir, lui il la voit plus vite, mais tu vois, sees her. Mais du coup moi je pense au moment où elle le sauve, le moment où elle arrive dans le truc et elle le sauve, et que tout ce temps là elle veut tuer le vampire pour le sauver parce qu'elle a besoin de le sauver, parce qu'elle sait qu'il faut
Enfin, tu vois qu'elle, enfin, c'est tellement un acte d'amour et c'est tellement quelque chose de fort. Et quelque part, d'ailleurs, je suis en train de penser, c'est la réponse à l'acte d'amour où il se laisse torturer pour pas dénoncer Dawn, quoi. C'est quelque chose d'assez similaire, en fait. Et du coup, ça m'a façonné les larmes aux yeux quand j'ai commencé à y réfléchir. Lies my parents for me. Alors, je ne suis pas d'accord sur le côté rapport incestueux. Pour moi, le rapport avec sa mère n'est pas incestueux. Quand elle devient vampire, elle essaye de le trivialiser comme ça, mais c'est pas la nature de leur rapport. Toi, pourquoi tu utilises le mot incestueux ? Est-ce que c'est juste à cause de la fin, la façon dont elle réagit sa mère une fois qu'elle est vampire ? Ou est-ce que, enfin, est-ce que tu trouves vraiment que c'est un rapport incestueux qu'il entretient avec sa mère ? Je pense que c'est un rapport fusionnel avec un Oedipe pas tout à fait résolu. Après, effectivement, j'en parle pas, c'est à cause du baiser de la fin et du cordon ombilical qui n'est pas coupé, et surtout parce que Spike en reparle en fait dans la saison 5 d'Angel, il en parle dans ces termes-là. Donc c'est aussi pour ça que j'y pensais comme ça, parce que j'ai vu l'épisode récemment. Et... Mais il en parle de façon horrifiée. Enfin, tu vois, il ne parle pas de la relation qu'il avait avec sa mère comme étant incestueuse. Il parle du baiser, il dit... Oui, elle est vampire quand elle l'embrasse. Oui, non, mais donc du coup, c'est, enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est, quand tu utilises le mot incestueux, ça qualifie leur relation, et ce n'est pas leur relation qui est incestueuse. Ah oui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il tue le vampire, c'est parce que ce n'est plus sa mère. Donc le fait même que cet acte-là montre que c'est complètement en dehors de la réalité de la relation qu'il avait avec sa mère. Donc je continue à dire qu'il n'a pas une relation incestueuse avec sa mère. Voilà, je vais juste clarifier pour la postérité. avant de conclure sur le final de la saison et donc de la série, on avait une question de Ripley. J'allais dire, il n'y avait pas du tout de Ripley sur Instagram, pas non plus, de Ripley sur Twitter, qui nous demandait comment on avait senti, est-ce qu'on avait vécu une ressentie d'injustice quand les amis de Buffy et les potentiels virent Buffy à la fin de Empty Place. Pour la première minute, je prends la deuxième. Voilà. C'est quoi le titre français de cet épisode ? Pareil, je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est pas la fronde. Je crois que c'est la fronde. C'est Empty Places. Ah oui, le titre français, oui. Je sais pourquoi il existe cet épisode et je pense que c'est les auteurs qui réagissent avec voilà ce qu'on aurait aimé que l'ONU fasse avec l'Amérique par rapport à la décision d'envahir l'Irak. Il y a littéralement une mention des preuves, donc on est sur la preuve de la présence d'armes de destruction massive, enfin, on est quand même sur quelque chose comme ça. Je comprends la théorie, mais en réalité, dans la pratique, je trouve ça horrible, parce que je ne les trouve pas logiques avec eux-mêmes. Après, Buffy ne sait pas se défendre, mais en fait, eux, ils sont dans le shame and blame. Ils sont dans la peur, et donc du coup, ils font porter le chapeau à Buffy parce qu'ils ont peur et parce qu'ils ont l'impression qu'ils savent mieux. Et c'est d'une naïveté incroyable, et le fait que tout d'un coup je fais porter le chapeau de la tristesse du fait que Xander a perdu son œil, c'est juste c'est compréhensible, et malheureusement ça reflète la réalité de, enfin tu vois, c'est Daenerys, comment on la traite avant qu'elle pète un câble dans la fin de Game of Thrones, c'est pareil, hein. Si elle fait un truc, elle fait ah mais peut-être que c'est pas une bonne main, hein. Enfin, tu vois, donc ouais. Moi je trouve qu'effectivement là, je pense que pendant très longtemps quand j'ai revu la fin de la saison 7, j'ai retrouvé ça hyper fluide et organique, la façon dont ça arrivait, la montée jusqu'à cette scène là l'implosion du groupe. Là, un petit peu moins. La première fois que je me suis senti que c'est un putain chouïa plus forcé que ce que je m'en rappelais, où d'un seul coup, il fallait qu'avant le final, il y ait cette réalisation, que ça explose, que Spike parte à ce moment-là pour que ça arrive, et tout ça. Mais, indépendamment, peut-être que le virage d'un point de vue narratif est un petit peu un chouïa forcé. Je pense que ce sera arrivé peut-être plus tard, mais peut-être pas tout de suite, mais qu'il fallait à un moment donné, la série, il y a 22 épisodes, il n'y en a pas 30. C'est que, par contre, c'est très humain. En termes de contester un patron, un leader au moment où ça arrive, comme après un drame, après qu'il y ait quelque chose qui soit passé de négatif et qu'on a besoin de contrôle, hein, c'est comme en ce moment avec le Covid. Hein, vous voyez, la plupart des gouvernements le gèrent plus ou moins bien, mais aucun gouvernement n'a pas. Enfin, il y en a un peu mieux que d'autres, mais je veux dire, à un moment donné, on s'en prend plus au gouvernement qu'au fait qu'il y a un putain de virus qui tue des gens, et qu'à un moment donné, on en fout plus au virus qu'au gouvernement, et que quelque part, c'est facile d'avoir le contrôle sur les hauts gouvernements et changer de président ou que le Covid sur lequel on ne peut pas agir. Et que là, quelque part, finalement, leur réaction au personnage est très humaine, finalement, de dire on veut le contrôle, donc au moins on peut virer Buffy et la remplacer par Faith, plutôt que finalement se sentir totalement dépassé par la guerre de la force, quoi. Mais c'est une décision qui est basée dans la peur et le jugement, pas dans la rationalité, pas dans la générosité, pas dans le bénéfice du doute. Mais en même temps, c'est parce que ce n'est pas des armes qu'ils ont appris à maîtriser. Ce n'est pas des trucs qu'ils ont appris à développer. Moi, je pense que ça va être intéressant de revisionner toute la série là en faisant le podcast
avec ma nouvelle menu, enfin la façon dont je regarde le monde à 40 ans et dont j'ai compris, enfin je refuse justement de rentrer dans des logiques de jugement et des logiques de raison ou tort et de bien ou mal entre vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Et du coup, tout d'un coup, je pense qu'il y a des trucs où je vais faire, là, ça manquait un peu de souplesse, les gars. Mais justement, la seule solution, c'est l'amour inconditionnel. Et j'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais enfin, Touch, c'est un épisode que j'adore. Évidemment, je suis aveuglée par tout ce qui se passe entre Buffy et Spike parce que c'est un des plus beaux moments de télévision que j'ai jamais vu. Tu vois, ce truc, c'est tellement, tellement touchant. Et ce truc, tu vois, tu parles de crise de risque et de vulnérabilité, ce truc d'oser lui dire qu'elle a envie qu'il la prenne dans ses bras pour dormir, c'est... Et le fait qu'il ne remette rien en question, il ne lui pose pas de questions, il ne lui demande pas ce que ça veut dire, il fait juste « ok ». Mais après, il y a tout le speech qu'il dit avant, et quand il lui dit « je te vois exactement, je sais exactement qui tu es ». Et aussi ce truc de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que je ne t'aime pas parce que tu m'aimes, parce que j'ai envie, parce que je ne peux pas t'avoir. Je t'aime parce que tu es comme tu es. Et que quelque part, il lui a donné l'entrée pour qu'elle puisse le faire vis-à-vis d'elle-même. Et une fois qu'elle peut s'aimer comme ça, elle peut aimer les autres comme ça. Et tout d'un coup, elle voit le monde de façon plus claire. Et donc, du coup, c'est pas juste que Spike is the right guy for now, comme ce qu'elle dit à Angel, c'est aussi que il lui fait du bien. Et je trouve que c'est une démonstration magnifique qu'ils arrivent à le mettre en scène comme ça. Et d'ailleurs, sa loyauté indéfectible, tu la vois au moment... Enfin, de toute façon, c'est la façon dont il réagit quand il rentre et que... Le fait que les autres, ils ont peur de lui dire, c'est quand même qu'ils savent qu'ils ont fait une connerie, tu vois. Et quand il rentre, il fait « qu'est-ce que vous avez fait ?» Il dit « donc vraiment, en gros, il se passe un truc, elle vous sauve depuis des années, vous tournez contre elle. Ouais. » C'est tellement beau, c'est tellement beau. J'adore tellement cette série. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien. Il est évident que nous avons plein de choses à dire sur la saison 7 et je pense qu'en fait il nous en reste plein, mais je pense que c'est une des émissions les plus longues qu'on ait jamais fait. Ce sera peut-être en plusieurs parties, je ne sais pas, je laisse le monteur décider. Mais du coup je pense qu'il faut quand même qu'on termine sur la fin, sur le dernier épisode, right? Je pense que c'est ce qui est prévu au programme. Du coup, ben, tout simplement, David, en 2 minutes, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de la fin et ensuite je ferai de même. Go! Bah, pendant longtemps, j'ai été un peu déçu par cette fin parce que j'ai trouvé tous les finales précédents incroyables, celui de la saison 1, de la 2, de la 3, enfin tout. J'ai toujours trouvé dramatiquement beaucoup plus riche et surprenant et ça allait beaucoup dans des endroits où je ne m'y attendais pas. Sauf que celui de la Suisse, pareil, était assez dantesque. Mais celui de la 7, j'ai toujours trouvé ça une très bonne fin, mais plus traditionnelle, plus attendue. D'autant plus qu'à l'époque, j'avais lu un fanfic, qui en fait, c'était pas être un fanfic avant la diffusion de l'épisode, mais c'était le résumé de l'épisode. Donc, toute la surprise m'a toujours été un petit peu gâchée de la naissance des potentiels et autres. Donc, j'avais toujours été un petit peu déçu, la mort d'Anya. Mais maintenant que je la revois, encore une fois, soit le sujet de la saison, encore une fois, le patriarcat, le rapport aux hommes, changer le statu quo, changer le système comme il est de l'intérieur, ce qu'elle fait depuis le début, d'abord... C'est une tueuse seule, comme toutes les autres tueuses dans la tradition de la tueuse. Puis finalement, elle a un rapport à Giles. Puis finalement, elles sont 2 tueuses avec Kendra parce qu'elle est morte, mais qu'elle est revenue. Puis elles sont une autre tueuse avec Faith. Puis elle quitte le conseil et qu'elle est indépendante. Puis elle revient avec Giles, mais c'est son choix et c'est elle qui s'entraîne parce qu'elle en a envie. Puis finalement, Buffy a changé à chaque fois tout de l'intérieur et qu'elle a elle-même, finalement, au fur et à mesure de la série, à chaque fois amené quelque chose de nouveau et d'inédit en changeant un système terrible. Et d'ailleurs, je trouve que cet épisode-là a dû mériter d'être un deux parties, l'épisode où elle va dans le passé, où elle rencontre les hommes qui ont créé la tueuse, et on se rend compte justement qu'en fait c'est une esclave, qui finalement, s'ils n'ont pas donné le pouvoir pour lui donner le pouvoir, mais c'est une esclave qu'ils ont limité, sur qui ils voulaient avoir main prise, et finalement ils ont choisi une femme pour avoir la main sur elle et la diriger, parce qu'en fait ils s'en fichent, comme ça c'est elle qui s'expose, et le pouvoir passera d'une femme à une autre comme un instrument, et finalement Buffy décide de faire l'inverse. Voilà, je pense que cet épisode-là a mérité d'exploser, mais voilà, c'est génial que cette fois-ci Buffy dise je récupère ce pouvoir-là et je l'instrumentalise. Pour, à ma façon, pour le bien, comme tu as dit, pas par malveillance, mais par bienveillance, par amour pour les femmes, pour les filles, pour le monde, pour Spike, pour moi, et que voilà, et que je trouve maintenant que cette fin est d'une pertinence absolue, et c'était la fin qu'il fallait, en fait. Bah, je pense que, effectivement, tu as raison, c'est la fin qu'il fallait, dans le sens où c'est un acte d'amour, dans le sens de générosité et de confiance. Là, c'est un acte. Elle arrête d'être sur la défensive. Et je pense que c'est parce qu'elle s'est réconciliée avec elle-même en étant déchargée des obligations d'être un chef de guerre comme on l'est censé l'être, en pouvant choisir d'être le leader qu'elle veut être, parce qu'il n'y a plus de règles, parce que tout a pété,
Et aussi parce que elle a, bah, en fait, la personne qu'elle aime le plus, finalement, et en qui elle a le plus confiance, qui est Spike, malgré tout, finalement, parce qu'elle le dit elle-même qu'elle n'a confiance qu'en lui, lui a dit quelque chose sur elle qui l'a rassurée sur toutes les inquiétudes qu'elle avait sur elle-même. Donc, du coup, on est sur un truc où elle est en fait en paix avec elle-même, en tout cas pour le moment, par rapport à son passé. Et du coup, elle peut faire un acte de générosité et de confiance et de foi, en fait. C'est un acte de foi, c'est elle fait confiance, elle dit « Je n'ai pas à contrôler le pouvoir, on peut tous le partager, c'est comme ça qu'on va régler le problème. » Moi, je trouve génial, en plus, moi, je n'ai pas du tout été spoilée, au contraire, c'est vraiment une des rares fois de ma vie où j'avais réussi à éviter tout spoiler, et en plus, j'ai attendu plusieurs semaines avant de le voir, et j'ai vraiment, enfin, tu vois, je ne lisais pas mes mails, enfin, il y avait vraiment un truc hyper important. Et moi, il y a tellement de surprises dans cet épisode, il n'est tellement pas ce que j'imaginais qu'il allait être. Je trouve la scène de Donjons et Dragons, c'est vraiment une des façons dont cet épisode réussit à créer de la respiration et à être un épisode de Buffy différent. Et puis, alors, toute la première partie, moi, je veux dire, j'ai regardé l'avant-dernier, la veille au soir et le dernier le matin, et j'ai pas pu dormir entre les deux parce que j'ai vraiment cru que ça allait se terminer, qu'elle allait tomber dans les bras d'Angel. Ça m'a rendu malade. Et du coup, tout ce début d'épisode, la conversation avec Angel et la conversation avec Spike, il y a tellement aussi d'une femme qui ose dire ce qu'elle veut et qui ne se laisse pas. En fait, non, gars, c'est pas parce que je suis amoureuse de toi ou que j'ai été amoureuse de toi ou que je t'aime toujours un peu que ça veut dire que t'as le droit de venir et de faire chier, quoi. C'est bon, on n'est pas Dawson, quoi. Non, mais... Je reviens sur un épisode qu'on avait fait où on parlait de Touch et du fait que tout le monde couchait ensemble, tous les personnages couchaient ensemble, sauf Buffy et Spike, et tu m'avais répondu, oui, mais je crois que Whedon dit que chacun va être libre de penser ce qu'il veut. Mais en fait, cette interprétation-là, voilà, exactement, cette interprétation-là n'est pas dans Touch. Dans Touch, effectivement, ils ne font pas l'amour, ils restent dans les bras l'un de l'autre pendant que les autres font l'amour. C'est dans le final qu'ils les interprétations. Alors pour moi, ils font l'amour, clairement, le moment où ils se retrouvent et qu'après, ils sont dans la cave. Pour moi, entre temps, ils font des bébés. Mais de toute façon, il y a plein de belles scènes, on retrouve l'humour. Bon, c'est quand même finalement quelque part, on peut être content que Whedon finalement ait pas eu Firefly cette année-là qui était annulée 5 épisodes d'avance. Ça lui a permis quand même d'être vraiment présent pour le final. En plus, avec les problèmes de production qu'il y avait en parallèle sur Angel, ça lui a permis de prendre ce bébé, ces 5 derniers épisodes, dont le dernier à bras le corps. Et ça sent qu'il est là et que c'est sa fin à lui comme il en a envie. Il n'y a aucune scène qui est moins bien qu'une autre, aucune réplique qui est moins pertinente qu'une autre, dans l'humour, dans les moments de pause, dans l'action. Il y a juste un fond vert à un moment donné moins bien réussi que les autres. C'est un peu dommage quand Sonny Del. Toute cette bataille avec la musique, cette dernière scène avec The First qui l'a fait chier jusqu'à la fin en disant « Ah, je me suis fait bobo !» Ouais, après, la disparition de Force, effectivement, est un peu étrange, hein, mais c'est à la Whedon, la mythologie, on s'en fout un peu. Tant qu'au moment où on a la résolution émotionnelle et intérieure d'interne des personnages, la mythologie, on s'en fout un peu. Mais moi, je m'attendais à ce que le First, que Willow arrive à matérialiser le First en chair et en os et qu'elle prenne l'apparence de Buffy, qu'on ait un combat final Buffy-Buffy. Je pense que l'idée, quand même, c'est de spontanément faire un truc terminé sur une interprétation. Parce que j'ai jamais réfléchi, j'ai jamais vraiment solutionné ce truc-là dans ma tête. Mais en gros, ce qu'ils apprennent dans la saison, c'est que le fait d'avoir ressuscité Buffy a tellement foutu la merde dans la lignée que ça a permis aux Force d'oser, de pouvoir agir comme ils ne pourraient pas le faire d'habitude. Et de se permettre de se retourner contre la lignée, parce qu'il y a comme une anomalie. Donc en fait, l'idée, c'est que l'acte de ce que j'appellerais hubris, donc d'orgueil absolu, de Willow mais des autres, de vouloir contrôler Buffy, en fait, de vouloir la faire revenir à la vie, a créé une distorsion dans le monde qui a créé tous les problèmes des deux saisons, toute la difficulté, le malheur et tout ça, et que quelque part, l'acte de générosité et d'ouverture, y compris de la part de Willow, tu vois, elle a utilisé ses pouvoirs pour le mal au début de la saison 6, elle les utilise pour bien à la fin de la saison 7, et en quelque part, ça referme la brèche qui fait que The First pouvait agir. Tu ne peux pas matérialiser le First et le tuer parce que ce serait dire que le mal n'existe pas. Or, le mal, c'est quelque chose qui vient de l'humain, c'est quelque chose qui est lié à la peur, qui est lié à la peur et au jugement, enfin, en fait, qui est lié à la peur, en général, la peur et crée toutes les choses négatives. Et donc, du coup, ça fait partie de l'expérience humaine et donc tu ne peux pas faire disparaître The First. Mais par contre, je n'avais jamais réfléchi à cette espèce de book end, tu vois, d'ouverture et de fermeture, de Willow fait un
Surtout que c'est plus ou moins, je crois que c'est plus ou moins induit hein, dans la saison 8, ils en parlent un peu comme ça, hein, le fait que toute la saison 8 parle de l'équilibre dans le monde, du fait que c'est pour ça que Twilight, je ne dirais pas qui est Twilight, si certains n'ont pas lu les comics, mais que Twilight se manifeste, Crépuscule, parce que justement, il y a toute une question sur l'équilibre du monde, et que justement, Buffy a finalement rendu l'équilibre et que Twilight pense que non. Mais c'est vrai que je suis content que cette saison 8 existe, surtout que ce qu'a fait Buffy, c'est quand même une grande responsabilité, donc je suis content qu'il y ait une gestion derrière. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont lu la saison 12 et que j'ai offert à Yael en allemand, mais est-ce qu'elle le lira un jour, suspense, mais la saison 12 c'est quand même vraiment chouette, où il reparle de cette question du pouvoir. Alors je suis pas du tout fan de la fin de la saison 11, où Buffy récupère le pouvoir de toutes les tueuses pour battre un super vilain. J'ai trouvé ça totalement horrible. Je me suis dit, mais cette arc-là, s'il y a une pauvre nana qui se bat quelque part contre un vampire, elle se retrouve du jour au lendemain sans être prévenue, sans pouvoir, elle va se faire tuer. Je pense que Whedon voulait le traiter dans la saison 12 parce que Buffy a une réplique là-dessus et Waldy, Buffy, elle fait belle, je regrette d'avoir pris le pouvoir de tout le monde comme ça sans prévenir. Je pense que Whedon a dû dire au scénariste qui s'est occupé, genre, ouais, qu'est-ce que t'as fait une connerie là? Mais, donc elle en parle, j'étais quand même content qu'ils, au moins qu'ils en parlent. Mais dans la saison 12, c'est hyper impressionnant puisque l'idée, c'est qu'un homme veut prendre le pouvoir originel de la première tueuse et que ça a certaines conséquences hyper intéressantes. Et qu'en termes de prolonger le message féministe, quelque part, la saison 12, la fin de la, il a quelque chose de très inédit. En même temps, il ne trahit pas ce qu'il fait à la fin de la saison 7, parce qu'en fait, le message, je pense qu'il n'a pas voulu prendre de risques pour pas trahir la série. Donc, c'est un écho, une prolongation, même s'il y a eu entre-temps des choses un peu différentes dans la 10 et la 11. La 12, c'est on reparle de cette histoire de pouvoir, on reparle de ce pouvoir féminin. Et qu'est-ce qui se passe quand un super vilain masculin arrive à prendre le pouvoir des tueuses pour lui? Voilà, donc je ne dis pas plus parce que malheureusement la saison est très courte, donc il se passe pas, on n'a pas le temps d'explorer tout ça en mai. La fin reprend ce message féministe. Après, ça apporte un message encore plus intéressant. Je pense que si un jour il y a le Tully, il faudra quand même qu'on en débatte parce que je pense que ce que ça amène sur la question du pouvoir et de ce pouvoir qu'on a donné à une femme au début, qu'on a imposé, comme je disais, que Buffy s'est réaccaparé, ça apporte un débat. C'est comme l'histoire où un personnage homosexuel avait réussi à récupérer le pouvoir de la tueuse, où tu disais. Ça veut dire quoi? Parce que comme on est homo, on s'identifie à une femme. Bon, là, ils ont fait une maladresse, puis ils s'en sont rendus compte après. Comme on est homo, ça veut dire qu'on est plus féminin, donc on peut avoir le pouvoir des tueuses. C'est pas un message, je sais pas, c'est un peu maladroit comme façon d'interpréter. Et je pense que ce serait intéressant. Après, si Billy était une femme transgenre, ça, ce serait intéressant. Mais que le pouvoir identifie tu peux avoir le pouvoir, même si c'est un Buffy. Essentialisme masculin-féminin, alors que la question, c'est pas essentialisme masculin-féminin, c'est opprimé. Et non, et ce qu'on voit, enfin, tu vois, c'est ça la question. La question, c'est pas l'éternel féminin. La question, c'est les femmes sont les sont la femme est le prolétaire de l'homme. Donc, automatiquement, une population opprimée comme la population homosexuelle qui n'a pas la même représentation s'identifie à la population féminine, pas parce que les hommes homosexuels sont féminins, mais parce qu'ils sont déconsidérés de façon. Non, je préfère cette analyse-là, mais effectivement, par rapport à des interviews de Jane Espenson, c'était un peu effectivement maladroit. Mais effectivement, j'aimerais bien voir si Zarugo de Buffy, qu'est-ce qui. Enfin, vu les cœurs de la quantité, une femme transgenre, effectivement, le est-ce qu'au moment où Buffy a donné le pouvoir, parce que même si la personne est née dans un corps d'homme. Je pense qu'il y a l'idée de. Quand même, elle a le pouvoir. Ouais, je sais pas, je trouve que ce serait, enfin, je sais pas si c'est intéressant ou si c'est problématique parce que du coup, c'est chercher à, du coup, figer les choses une fois de plus sur des règles au lieu de passer à côté de la métaphore parce que le principe de la fin, c'est toutes les personnes à qui on a appris à penser qu'il y a une seule place pour elles pour exister peuvent en fait exister ensemble. Donc ça s'applique en fait à toutes les populations. Non, mais je suis entièrement d'accord, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant justement de voir comment on peut ouvrir cette question sur le pouvoir, sur d'autres questions, effectivement, d'autres questions, et en quoi ce pouvoir de la tueuse, c'est peut-être finalement un pouvoir plus au sens plus large. Parce qu'au départ, on donne le pouvoir à la tueuse, mais en fait, on lui donne surtout la responsabilité de devoir gérer gérer la galère pour les hommes. Donc, c'est un truc très féministe là-dessus aussi, sur le poids de la charge mentale donnée aux femmes, quoi. Donc on est sur quelque chose de bon. C'est un plaisir pendant cette longueur un peu plus de reparler de la saison 7. Ça fait longtemps qu'on voulait. Et moi, j'espère qu'on pourra se revoir Yael rapidement ensemble pour proposer enfin nos deux épisodes spéciaux Angel Bites 20 sur les 20 ans d'Angel, saison 1 à 5 plus éventuellement les comics. Mais voilà, en tout cas, c'est toujours un plaisir de parler Buffy avec toi, avec vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, commentaire en dessous de la vidéo. Partagez aussi les vidéos. Qu'est-ce que vous pensez de la saison 7? Est-ce qu'on vous a, pour ceux qui ne l'aimaient pas, est-ce qu'on vous a éventuellement rabiboché avec cette saison? Est-ce qu'on a répondu à certaines interrogations? Est-ce qu'on vous en a apporté d'autres? Voilà, la passion d'Yael pour cette saison vous paraît-elle communicative? Avez-vous déjà les mêmes avis qu'elle? Bon, bah écoutez, gros bisous tout le monde. Bisous Yael. Et puis bon Buffy.